Salut tout le monde! Salut tout le monde, tout le monde! Attends, on va remettre ça bien droit, un peu plus droit. Et un peu plus le temps de travail. Tac. Voilà. Plus ça. Comment ça va bien tout le monde? Comment ça va-tu bien? Toi tu me gênes. Voilà. Tac, on va remettre tout ça un peu, petit peu droit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Bah, en même temps, vous le savez, puisque je l'ai mis dans le truc. On va s'attaquer à un duo. Toujours Senseiya, ce n'est pas prévu, mais voilà. Athéna exclamation. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas parce que j'ai prévu, parce que de base j'avais dit que je ferais du DBZ, il me semble. Mais du coup, le DBZ sera toujours fait, ça c'est clair. Mais en fait, en me baladant sur Facebook, j'ai vu un mec qui commençait à faire un duo. Qui en fait n'était pas un duo Senseiya, mais j'ai cru que c'était le début d'un duo Athéna exclamation. Je me suis dit putain, faut que j'essaye d'en faire un, parce que j'ai jamais essayé, mais je veux le faire à ma façon, c'est-à-dire que je veux le rendre vraiment dynamique, c'est-à-dire qu'on voit il est pas les colocs qui explosent, les machins, des vrais jeux de lumière dans la boule et tout ça, dans le parce que c'est trois personnages qui sont face à une espèce d'explosion, donc je vais essayer de jouer sur ça. Maintenant, après, on verra en fonction de l'espace qu'on va rester, qui va rester hein, avec l'emplacement des trois personnages. Est-ce que j'aurai la place pour modeler à la pâte à modeler, par exemple, un effet un peu de fumée pour montrer la puissance de l'explosion, de l'attaque? Je sais pas, ça on verra bien sur le moment. Ça dépendra vraiment de la place, parce qu'un diorama avec beaucoup de détails, c'est bien. Mais trop de détails, c'est pas bien. Quand c'est trop chargé, c'est pas bien. Enfin, moi, j'aime pas quand c'est trop chargé. Donc on verra ça. Comme l'autre fois, j'ai déjà prédécoupé mes plaques de base parce que de mettre une plaque complète de poly sur le plan de travail avec vous en live, c'est pas possible. Donc, j'ai prédécoupé mes deux éléments qui sont déjà à bonne dimension. Sachant qu'on sera sur un duo format double détolf. J'ai pris un format simplement commun. Et qui double détolf, pourquoi? Parce qu'un seul détolf, ça suffirait pas. Ou sinon on aurait une seule team, c'est-à-dire que 3 chevaliers au lieu de 6. Mais ça n'aurait pas travaillé vu le truc que je voulais travailler. Après, un petit bémol entre guillemets, c'est que ça, j'ai pas trouvé plus grand, ou sinon c'était trop grand. Donc ça sera peut-être un peu plus petit que ce que j'aurais espéré. Maintenant c'est pas grave, on fera un truc sympa. Mais voilà. Et puis après on jouera vraiment sur les effets de dynamisme pour nous rendre la chose vivante, quoi. Ashram Draconian, salut Coco, salut monsieur, tu vas bien? Salut Morimi, tu vas bien? Bah écoute, oui, moi aussi je vais bien, Ashram. Sylvain Jory, salut Youpi, tu vas bien? Salut Do, Cyril, par contre le son n'est pas super fort. Ah, alors attends. Voilà, là je suis au maximum du volume du micro, hein. Je peux pas faire plus fort. Sinon, c'est que la prochaine fois, il faudra que j'installe un autre micro. Là, j'ai que le micro de l'ordinateur. J'ai pas mis le micro de ouf comme l'autre fois que j'avais posé au plafond. Coucou l'ami, bref passage. Quelle belle coupe de cheveux, y aller au chalumeau. Ouais, c'est ça. Salut Grégory. Salut Damien. Julien, excuse-moi. Salut Julien. Alors, donc. Ce qu'on va faire, c'est que ça va tourner un peu comme le live de la dernière fois, c'est qu'on va commencer par travailler par découper des dalles et des, je cherche le nom, des briques. Après je vais faire que deux colonnes. Alors, on va faire deux socles de colonnes dans le même principe que ce qu'on a fait. En fait, on va reprendre à peu près les mêmes éléments, sauf qu'on va pas tout baser sur le nombre d'or comme je l'ai fait. On va baser ça sur certains. Enfin, je sais que mes briques seront basées sur le nombre d'or, parce que j'aime bien la dimension. Mais pour le sol, cette fois, je vais prendre des dalles carrées, tout simplement. J'ai envie de varier un peu. Pas faire tout le temps la même chose, ça sert à rien. Hâte de voir ce duo. Ben, j'ai hâte de le faire, de le commencer, de le finir. Ensuite, au niveau. Le système de lumière qu'on va mettre dedans. Parce que ça, on va le rendre lumineux. On va le peindre, tout ça lumineux. Je vais prendre simplement un bon vieux ruban à LED alimenté en USB. Donc après, je branche une USB sur une prise. Enfin, tout le monde on a tout ça maintenant, une prise USB. Voilà, à LED parce que ça chauffe pas. Donc on pourra le laisser dedans sans souci. On n'a pas à craindre du tout la chauffe du bordel. On est vraiment tranquille de ce côté-là.
Le bandeau à LED, dans la lumière, comment? La lumière change un peu de couleur. Donc, ce qui fait qu'en dessous, ça forcément ça va être pas, donc ça va avoir une teinte chromatique. Ces changements de couleur vont faire des changements de lumière. Et on va sans, du coup, on va avoir une, ça va rendre la chose un peu plus vivante aussi. Maintenant, est-ce que j'aurai assez de bandes de LED pour aller pour essayer de déborder, d'aller un peu en dessous quelques dalles à l'extérieur pour ressentir d'énergie en dessous les dalles en plus de ça? Je pense pas, on va pas en avoir assez parce qu'il faut quand même de la lumière pour faire ça et que les bandes de LED, c'est pas un truc éclair, un truc de ouf, c'est pas fait pour éclairer de base, c'est fait pour être vu, ce qui n'est pas la même chose. C'est juste de la déco, c'est pas de la puissance de lumière, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de commencer? Pas grand-chose de plus, j'avoue. Là, le son est mieux. Bah écoute, parfait. Hâte de... J'avais l'intention d'en faire un. Bah écoutez, c'est parfait, c'est le moment parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais. C'est quoi? Je vais mettre le point de colle maintenant sur ça. Ah oui, c'est je voulais vous dire. J'ai acheté le port de police, j'ai acheté aujourd'hui. Alors je vais vous montrer la caméra, il n'a pas la même, tout à fait la même texture que ceux que j'ai déjà eu. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Il n'est pas lisse, mais il est beaucoup moins rugueux que ceux qu'on a comme. Que je vais vous montrer l'autre à côté. Comme ceux que j'ai utilisé pour le. Merde, pour le Durama Senseiya. Toc. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ça, c'est l'autre. Je sais pas si vous sentez la différence. On n'est pas du tout. Attendez, hop, peut-être qu'en faisant ça sera peut-être mieux. Vous voyez, il n'est pas pareil. Et le toucher, je le sens. C'est vraiment. Je ne vais pas vous dire que c'est super lisse, mais en termes de si je dois poncer, ça sera beaucoup moins compliqué à poncer que ça. Clairement, on fera beaucoup plus facile. Même si techniquement, j'aurai pas beaucoup de ponçage, puisque je m'arrange toujours pour ne pas avoir à travailler cette face-là. Mais voilà. Donc je suis encore tombé sur un nouveau texturage enfin, naturel. De base que je ne connaissais pas. Hâte de voir la partie élec, surtout pour la prise USB, j'ai l'habitude de mettre une pile plate. Ouais, mais après, c'est vrai que des fois ça peut être relou à changer, c'est pour ça. Et en fait, je prends un truc USB, pourquoi? Parce que j'en ai une en stock, ça m'a évité d'en acheter une, tout simplement. Après, j'ai déjà fait des vidéos avec de l'électricité et des piles. Je m'arrange toujours pour qu'il y ait un élément de décor qui soit mobile, qui permette de cacher le boîtier, machin. Pour ceux qui connaissent le duo Hades, que j'ai fait il y a quelques années pour Mighty Gras. Le tombeau d'Hadès, il y a des jeux de lumière. J'avais caché le petit boîtier de pile avec le bouton dans le caveau lui-même, dans le cercueil en fait. Il avait juste à retirer, ça se voit pas comme ça, mais juste à retirer un petit élément de décor, genre un morceau du couvercle du cercueil. Tac, il appuyait sur le bouton, il devait juste à remettre en place. Et il pouvait le retirer et le remettre. Et pour être sûr qu'on ne voyait pas la lumière à travers les jointures de polystyrène, j'avais mis des. Ce qu'on met, les isolations qu'on met entre les fenêtres et les portes, ce genre de choses pour bien isoler les maisons, les entrées. Athéna, exclamation, c'est quand Athéna prend son pied. Oui, c'est ça. Tu peux l'extruder, car marron et pas lisse, le mien est bien blanc et tout lisse. Salut David. Bah ouais, mais là, tu vois, il est quasiment la même couleur que l'autre. Hein. Un poil de cul près, il est un poil plus orange. Maintenant, comme je dis, hein, je ne vais pas chercher à acheter cette couleur-là plus qu'une autre. Hein. Moi, je prends ce qui est en stock. Je fais pas le difficile, hein, parce que ces deux-là, je les ai achetés au même endroit, hein, puisque je les ai pas achetés au même moment. Donc, voilà, c'est, je prends ce que je trouve, ce que je me prends pas la tête à choisir enfin, je choisis mon épaisseur, mais je choisis pas la texture, parce qu'en général, ils ont pas, s'ils ont un poly de 2 cm, ils n'auront pas 50 polys différents, ils en auront un. Parce que dans les magasins, eux, ils vendent pas ça pour faire du duo. Ils vendent ça pour isoler la maison. Donc après, ils s'en foutent. Par contre, j'ai marqué que les prix changent. C'est-à-dire que celui-là, il est un poil plus cher. Au lieu d'être. Alors attendez, si je fais un calcul, vite fait. Par exemple, celui-là, j'avais acheté 2,50 € la plaque de poly. Celui-là, on devait être à 2,80 €. Vous me direz, c'est que 30 centimes de différence. Donc oui, c'est clair. Mais après, si tu achètes 50 plaques, 30 centimes, tu vas avoir la différence. Mais voilà, il y a quand même différence de prix, mine de rien, entre les deux. Lisse et plus dur à texturer, plus rigide, il prend un peu.
Alors, lisse, dur, rigide. Oh là 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 là, fais gaffe, hein. Ça devient tendancieux, Sylvain. Lisse est plus dur à texturer, plus rigide, et il prend mieux les formes. Ouais. Pareil, j'ai toujours trouvé ça plus simple quand le poli, quand on le coupe par exemple à la Proxone, et si on texture le côté où on a fait la coupe, je trouve que la texture prend toujours mieux de ce côté-là que l'autre côté. J'ai toujours eu cette impression-là. Alors peut-être que c'est juste moi, mais j'ai toujours eu cette sensation-là. Oui, c'est ça. Il faut toujours trouver l'astuce pour changer la pile. Ouais. Mais voilà, là, je le fais derrière. Et l'avantage, par contre, des trucs à USB, c'est que t'as pas de boîtier en soi, en fait. Comme c'est de base, l'USB fait passer peu de courant. C'est juste un fil qui sort, basta. T'as pas de boîtier à cacher, t'as rien à cacher. T'as juste le câble qui sort derrière que tu branches sur une alimentation, en fait, tout bêtement. Donc t'as rien à cacher quasiment, en fait, avec ça. Je referai juste que derrière le duo, à terme, je fasse une. Alors, ça va tourner. Que je fasse une petite sortie. Je fasse une saignée là. Au cas où le câble, en fonction de si on veut faire sortir là ou derrière, enfin voilà. Juste prévoir les deux cas de figure. Et puis, mais c'est plus simplement. C'est aussi simple que ça. Et après, l'avantage, c'est vraiment, on n'a pas de boîtier à faire courir avec ça, avec l'USB, et ça, c'est royal, ça. Ouais, ça va mieux, Stéphane. Tu fais une sieste après-midi, c'était nickel. Salut mon poulet, c'est Nico, encore de folie. Encore de folie en perspective. Merci. Je sais pas de haut, bah on verra déjà ce que j'arrive à en faire, déjà. On va pas crier victoire pour l'instant. Parce que si ça se trouve, je vais me planter devant vous. Par contre, tu feras gaffe à ta prothèse. Ça éclate des fois. Ouais, oui, bien sûr. Donc voilà, que vous dire de plus? Rien, vous verrez sur. Demain, sur le prochain tuto, si je ne me trompe pas. Vous verrez une nouvelle intro. J'ai réalisé un nouveau visuel pour l'intro de Coco Déco. La musique d'intro que j'ai composée a été entièrement réenregistrée, réarrangée, etc. Donc, vous allez avoir une nouvelle version de la musique d'intro et un nouveau visuel. J'ai tourné un nouveau visuel aujourd'hui. J'ai fini de le monter. Il est tout beau, tout propre, tout fait, tout fini. Donc, il sera incrusté au prochain montage. Le prochain tuto est tourné. Il faudra juste que je le monte. Je le monterai, je pense, dans le week-end. Dans le week-end, du coup. Et de mémoire, il doit sortir, je pense, dans 2 semaines, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Un truc dans ce goût-là. Puis voilà. C'est quel diamètre la demi-sphère? Je crois qu'on doit être sur une vingtaine de centimètres, mais je vais vérifier ça. J'ai foutu de mon maître, il est là-bas. Tac, toi tu reviens là, toi tu viens là. Alors je précise qu'elles se vendent par deux. C'est-à-dire que là j'en ai sorti qu'une, mais en fait elles se vendent pas forcément par deux, pas le choix. En fait on a une boule entière qu'on peut fermer. Mais là j'ai du 20 cm pile. Et j'ai pas trouvé plus grand. Déjà au magasin, et après quand je trouve plus grand sur internet, c'est trop grand en fait. Parce que là, je dois avoir 26-27 cm, je crois, un truc comme ça, non? Ah, j'ai 30 cm, ouais, je crois. Mais je vais rogner un peu de toute façon, donc je vais perdre un peu quelques centimètres. Donc voilà, donc pour ça, ce sera peut-être un poil petite, mais on va compenser en donnant du dynamisme et du dynamisme à l'ensemble. Donc on va faire quelque chose de cool, je pense. Moi, j'espère. Pressé de voir l'éclairage car c'est le moment galère toujours à trouver quelque chose de correct. Ben là, l'avantage, alors déjà, moi je pars du principe que dans un duo, alors mis à part quelques cas spécifiques, un éclairage dans un duo n'est pas fait pour voir mais pour être vu. C'est un éclairage qui sert pas à éclairer un élément de décor, il sert à ce que toi tu vois un élément de décor. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as pas forcément des fois besoin d'éclairage de ouf. Bon, sauf si par exemple ta scène est éclairée comme là elle est là de ouf, où tu es obligé de compenser de la puissance lumineuse, fatalement, parce que ce soit une caméra ou tes yeux, bah, tu t'habitues à la lumière ambiante, donc tu es obligé de compenser pour avoir une énergie lumineuse assez forte par rapport à ce que tu as là pour le voir. Mais sinon, t'as pas genre de problème. Dans nos vitrines, en règle générale, on n'a pas des éclairages de bâtard. Hein. Et on ne s'éclaire pas au spot de stade de foot dans nos vitrines. Donc t'as pas besoin forcément d'avoir un éclairage de ouf quoi.
Par contre, tu feras gaffe. Ah non, ça j'ai vu, j'ai vu. Précédemment. La chaîne, c'est du. A priori. Ouais. Moi, j'ai la flemme de le chercher le deuxième, mais ouais. Salut Coco, j'y connais que dalle, mais aucun risque d'aide des polystyrènes sur installé. Non. Bon. En convention, les trucs, je les laisse tourner pendant 10-12 heures d'affilée sans problème. Et... Non, l'avantage de la LED, c'est que ça chauffe pas assez, quoi. Le poussin, ça fond la chaleur, oui. Mais la LED ne chauffe vraiment pas assez pour ça. Non, j'en ai fait que ce soit des petites LED, des rubans LED ou vraiment des grosses ampoules LED en douille E27, si tu vois ce que je veux dire. J'ai des diodes comme ça que je laisse tourner pendant des heures en convention, jamais eu de problème. Bon, à la maison, non, parce que je laisse pas mes diodes allumés pendant des heures à la maison. Je sais pas comment en convention. Mais oui, non, ça, oui, largement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, la LED, c'est vraiment bien pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne chauffe pas. Enfin, ça dégage toujours un petit peu de chaleur, hein, faut pas être hypocrite, quand tu touches, tu sens la chaleur. Mais largement laisser ta main dessus, tu feras pas cuire un œuf dur dessus, parce que cuire une omelette dessus. Donc tu peux laisser ta main dessus, le polystyrène, il est tranquille. Hein. Ton polystyrène, ta main aura trop chaud avant que ton polystyrène fonde. Ta demi-sphère, c'est l'outil de coiffure utilisé pour te passer la tondeuse. Attends. Attends. Voilà. Je suis beau comme ça. Petite question tout bête, moi c'est une question pratique. Est-ce que vous entendez? Moi je me suis mis un peu de musique pour avoir un fond dans les oreilles, mais j'espère ne l'avoir pas mis assez fort pour que vous ne l'entendiez pas, parce que c'est des musiques soumises à des droits, et je veux pas me faire striker par YouTube. Donc dites-moi si vous entendez la musique que j'écoute. Et si vous la reconnaissez, c'est pour ça que je ne vous dis pas le nom, comme ça au moins si vous ne reconnaissez pas, bon, elle est un peu plus tranquille. L'hémisphère de... La musique elle s'est arrêtée, mais mon nouveau morceau va se lancer. Michel Thomas. Normalement, la LED ne chauffe pas. Non, je reviens après dîner. A priori, ce sera pas fini. Oh non, non. Bon, allez, je déco car je regarde demain. Bonne soirée, Coco. Ouais, bah, bonne soirée. Et puis, bah, à plus. Hein. Prends ton temps, t'inquiète. On n'est pas pressé. Il y a de la rediff. Bon. Alors, je vais coller mon élément. Parce que de son terme. Un deux en une part, de toute façon, je vais pas me faire chier de faire en 50 façons, 50 parts. Donc, je vais coller ça, comme ça, dans la nuit, ça va sécher. Et là, on va s'attaquer au découpage des briques. Hop, ah, juste au cas où, hein, vous vous demanderiez, les lettres, elles sont pas là pour rien. B, base, M, mur. Gauche, droite, haut, bas. Gauche, droite, hein, tout simplement. C'est mes petits repères à moi, tout simplement. Donc voilà, hop, ça, je vais me lever 2 minutes pour mettre ça là-bas. Enfin 2 minutes. Excuse-moi, hein, 20 secondes, même pas. Allez, 5 secondes parce que je suis déjà de retour. Tac. Et hop, on va sortir le pot de colle. Voilà. Tu vas faire quoi pour... Tu peux expliquer. Ah, t'étais peut-être pas là à ce moment-là. Non, je vais pas mettre de watts dans la sphère. Tu vois, je vais juste faire de la peinture. Je vais forcément mettre un support pour faire tenir mes LED dans la position voulue pour que elles envoient la lumière dans la direction que je veux. Mais il n'y aura pas de watts à l'intérieur, pas besoin. Tu verras. Il y a plus simple. Parce que la watt pour coup, ça garde un chaleur. Donc faut penser que même si ça chauffe pas, qu'il faut quand même essayer de limiter quand même. On sait jamais, toi, la chaleur. C'est un Dio Sensei exclamation. Donc la grosse boule là, c'est la boule d'énergie de l'attaque Athéna Exclamation. Et donc là, on va avoir des colottes qui vont voler en éclats, les briques qui vont se barrer en couilles, les dalles qui vont s'envoler, machin. Et après, en fonction de la place qui va rester entre l'explosion, tout qui vole et les trois, parce que c'est trois personnages de chaque côté, donc ça fait six personnages en fait hein, sur le diorama. En fonction de la place qui reste, peut-être que je dessinerai, enfin je sculpterai, là, je modellerai, pour être précis, à la pâte à modeler, les effets de fumée qui vont imager le vent, l'énergie propulsée par l'explosion. Maintenant, ça dépendra de la place qui reste, parce que trop de détails, c'est pas bon. J'aime pas ça. On dirait un costume du cinquième élément avec ton truc sur la tête. Du tout. Enfin, chez moi. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, j'écoute du corne si tu veux savoir. Mais bon, c'est parfait, je veux pas me faire striker, donc heureusement que vous entendez pas.
Alors, je vais prendre un petit pinceau pour mettre la colle. Et ce soir, j'écoute Did My Time. Allez, hop! Alors, je vous rappelle pour ceux qui veulent, il y a le Discord. Ça peut être pratique si vous voulez rester en contact plus souvent entre vous ou échanger avec moi ou machin. Il y a un salon vocal pour ceux qui veulent aussi dessus. Ça peut être sympa pour ceux qui ont envie de parler. Donc, c'est-à-dire vocal d'un micro et voilà, un micro, il suffit de parler avec tout le monde, quoi. Donc, je le rappelle, genre, je suis actif de temps en temps dessus, je vais voir. Alors là, j'étais pas actif ces derniers jours parce que j'avais oublié d'activer une notification. Je les ai réactivées aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, je mets ma colle là. Du coup, je répondrai beaucoup plus maintenant si vous me parlez dessus que je n'ai fait ces derniers jours. Hop. Et oui, j'ai pas annoncé le live plus tôt parce que franchement, ce matin, j'étais pas bien, j'avais pas la forme et tout. Donc je me dis, je vais peut-être pas faire de live, donc du coup, je n'ai rien annoncé. Et puis, en fait, bah, cet après-midi, j'ai fait une sieste, et puis je me suis senti mieux, du coup, bah live, les gars, hein, tout simplement, hein, live. Le lien du Discord est dans la description, si je rappelle. Je tiens à le dire. Tac. Tac. Hop, voilà. Tac. Peut-être ramener un peu de par là. Ok, bon, c'est pas, ça peut se rogner au cul tard après, c'est pas un souci. Tac, 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 tac. Hop, hop, on s'essuie les doigts. Hop, hop, là on est bon. Donc ça, je vais le passer à côté, il va sécher tranquillement cette nuit. Et on va s'attaquer bah, tout ce qui est dalle et briques, tout simplement. Hop. Allez, on dénixe, opération de séchage. En essayant de ne pas faire de bêtises, bien sûr. Tac, voilà. Et c'est toujours mieux comme ça. Hop, on est tranquille. Demain, je sais que ce sera sec. Enfin, techniquement, la colle sera pas sèche à cœur, mais ce sera assez sec pour qu'on puisse travailler les briques tout simplement et les coller dessus sans galérer, quoi. Hop, alors. Bien, si je prends pas le polystyrène, ça va pas faire. Le polystyrène est ici. Voilà. Viens là, mon coco. Voilà. Alors, celui-là, on le laisse là. On n'en a pas besoin pour l'instant. Hop, on a ça. On prend celui-là. Et voilà, toc. Là, on a largement tout ce qu'il faut. Il fait combien de large? Alors, attends, si je me souviens bien, on est à 72? 72 cm de longueur sur. Une bonne trentaine de centimètres de profondeur. Oh putain, je sais plus, on doit être à combien? 35, 36, je sais plus. Non, truc dans ce goût-là, c'est en fait un format d'étoffe, mais un plus long en fait en longueur. Donc si tu as vu le diorama que j'ai fait, le dernier que j'ai fait en live, c'est la même profondeur, c'est exactement la même, c'est juste qu'il est plus long en fait. Hop, alors attends, je vois que ça parle sur Discord, mais pas sur le bon channel. Tac. Ah non, c'est quelqu'un qui s'inscrit sur le truc, c'est pour ça. Ok, d'accord. Tac. Double, ouais, voilà. Oh, je suis à plus que ça, je suis à 72. Pas à 66 cm. Ah, tu me donnes le doute, je vais mesurer vite fait, hein, mais vite off, hein, mais. Hop. Ouais, je suis à 72. Je suis à 72 sur 32 de profondeur. Sur. Sur 37 de hauteur. Et encore, ça c'est pour les petites doubles d'étoffe parce qu'en fonction de comment on fait la double d'étoffe, on peut l'avoir plus grande. Donc moi, dans les miens, je monte à 82 cm, il me semble.
Moi, je l'ai pas fait tout à fait pareil, ma double étoile. Tac. Alors, on va mettre la machine en place. Elle est juste là. Bien la même. Hop. Voilà. Vous reconnaissez la même, hein? Elle ne vous est pas inconnue. Tac. Voilà. Donc, on va refaire ça. Donc, hop. Allez. Alors, visuellement, je voulais refaire les dalles que j'ai fait là-bas. J'ai mesuré les dalles vite fait. Elle est où mon maître? J'ai mesuré les dalles que j'ai fait sur un vieux duo Sensei à moi que j'ai fait. Je vais reprendre cette taille de dalle, j'avais bien aimé. Elle a fondu. Alors, je suis sur du combien? On est sur des dalles de 5 cm. D'accord. Donc, ça, c'est bon. 5 cm de côté. Donc, en mode carré. Zut. Et comment, les briques, on va être sur du 3 cm sur, on était sur du 1,8. Voilà. 3 cm par 1,8. Aïe. Voilà. Donc déjà. Hop. Oh, tiens, il y a le sheet qui s'est glissé dans la liste de cornes, tiens. Bon, déjà, on va se couper les dalles de 5 cm de carré. En carré. Hop. Devil in Eye. Salut tout le monde, salut Romain, tu vas bien? Désolé si tu as de regarder un peu. Mais t'inquiète. Et comme je sais que Coco n'est jamais à l'heure, je sais que j'ai pas raté grand-chose. Mais surtout que je parle depuis tout à l'heure. Les habitués, les nouveaux. Alors, donc, hop, par contre, je vais mettre un peu comme ça pour pas me cogner. Faut que je m'en bouge mon gros cul là-dessus, sinon je vais pas y arriver. Voilà. Alors, j'ai combien là dans ce sens-là? Moi, c'est le plus simple de faire dans ce sens-là. J'ai pas cette place sinon. En temps normal, j'aurai cette place, mais c'est vrai qu'avec vous, hop, ça devient combien là? Attends, là, faut que je pousse ça. Alors, attends, on va essayer de faire ça. Et là, ouais. Ah, ça bouge. Hop, faut que je resserre un peu le bordel. Oh là là, je vais tout tomber. Voilà. Ah non, c'est ça qui tombe. Ok. Voilà. Alors, on va couper les longueurs de 5. Ah, mais qu'est-ce que je veux? Non, non, c'est bon. Ok. Donc, tac. Voilà. Non. Mais alors, qu'est-ce que tu fais, pépère? T'es bourré ou quoi? Ah ouais, et là vous voyez les choses sous un autre angle, hein. Ah, il y a tout qui change. Ah, c'est. Alors attends, on va essayer de faire ça dans ces cas-là. Merde, je vais faire des conneries, les gars, je vous jure. Toi, tu te reviens là. Je suis bourré ce soir, les gars. Oui, c'est quoi ce délire? Hop, voilà. Maintenant, on remet ça là. Tiens, il est bourré, Coco, ce soir, les gars. Hop, je m'en mets dans les fils. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, peut-être que là, ça sera peut-être encore mieux pour vous. Alors, ceux qui ont gervé, bah désolé, hein, fallait vous prévoir un sac à vomi. Voilà. C'est le bordel. Alors, bon, on va y arriver maintenant. Ouais, c'est bon. J'ai bien branché, ouais. Non, je suis pas bien branché. Ah ben non, j'étais déjà en marche en fait, je viens d'éteindre comme un canard. Hop, voilà. Alors, on n'oublie pas que je vais tout couper dans la tranche. Donc, en réalité, ce que je coupe, j'ai juste besoin de couper la moitié de la surface que j'ai besoin, en fait.
quand vous avez plus d'idées, je pense. Hop. Hop, je vais lire ce que vous dites juste après ce trait de coupe. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Entre la caméra et le micro, ça va, on est préparé maintenant. Après tout. Ah, attention, j'ai pas mis mon super micro, donc du coup, je tape pas dans le micro. Je sais même pas où il est le micro de l'ordinateur en fait. Donc, t'es tranquille ce soir, je peux pas le faire. Hop. Hop, hop, hop. Vous voyez quand même, je sais plus avec qui j'en parle aujourd'hui, je parle avec un abonné aujourd'hui. C'est vrai que la machine c'est quand même bien pratique. Hein. Je vais couper ça dans ce sens. Autant que faire ces coupes là, c'est pas un problème, mais dès qu'on va devoir couper dans la tranche, sur la machine, c'est techniquement c'est faisable, hein, mais c'est une galère monstre. C'est vrai que ça c'est bien pratique. Maintenant c'est vrai que on fait un seul duo, elle sert pas à grand chose la machine. Hop. Salut Unicorn, tu vas bien monsieur? Tranquille. Tac. Si certains entre vous ont carrément envie d'échanger en vocal pendant le live avec moi. Sur Discord, c'est faisable. Je peux l'activer sur Discord. Littéralement, je peux vous parler à voix haute et vous pouvez me répondre à voix haute. La seule différence, c'est, enfin, le seul truc, c'est que tout le monde vous entendra, puisqu'on sera sur, notamment sur YouTube. Mais si on a qui ont envie, ça peut meubler, ça peut rendre la chose peut-être plus vivante. On peut tester ça, voir ce que ça fait. Toc. Je vérifie juste niveau surface où j'en suis pour voir si je continue à couper ou pas. Alors ça nous fait quoi ça comme surface? Allez, je refais encore. J'en fais encore deux. Deux, trois, et puis je suis bon. On aura un peu en rab au cas où. Encore deux, trois longueurs et je suis bon. Ça va être le bordel si on fait un vocal. Bah j'ai envie de dire, je suis plus testé pour savoir. Hein. Tac. Voilà. Une proxone évidemment. Bah ouais. Ah la proxone. C'est quand même bien comme machine pour nous. S'est arrêté. YouTube doit se demander si je suis encore je suis devant mon ordinateur. Tic. Hop. Du coup, je vais réactiver ma musique. La dernière longueur, donc ça c'est bon. Hop, voilà. Là, je pourrais me rasseoir pour l'instant. Le reste, j'ai pas besoin d'être debout. Alors, déjà, je vais réactiver ma musique. Vidéo en pause pour ce lecture. Oui, pour ce lecture. J'ai dit oui, trou de balle. Voilà, s'il te plaît. On met un terrain mobile. Ah, tiens, hop, forcément, c'est bon cas si c'est sur le câble. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Bon bah je vois que vous avez pas trop envie de parler en vocal puisque je vois personne dessus. Hop. Donc
On va déjà couper ça dans la tranche. Ah, quoique non, 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 je vais. Vu que je suis déjà bien ridé à 5. On va maintenant faire les coupes à 5. On va déjà faire nos carrés maintenant. Oui, j'ai déjà commencé à faire des dalles, bah voilà. En passant, quand on fait du senseïa, je vais te dire, les dalles, on en fait. J'appelle ça la licence escalier dallage, hein, ça. Bon, là, je vous fais deux dioramas senseïa d'affilée, mais ça veut pas dire j'en ferai tout le temps. C'est vraiment que, au fil d'une discussion et de certaines choses que je vois sur Facebook, j'ai eu envie d'en faire un. Mais à la base, j'étais parti pour vous faire du DBZ. Hein. Fil de la proxane a lâché. Hop, on va le changer. Oui, c'est là qu'on devait. Allez, vas-y, rentre dedans. Oui, exactement, ouais. Tac, allez, on remet le fil de la proxone dans son emplacement. Tac, voilà. Donc là, bon, je sais pas si vous le voyez, mais dès que j'ai mis en marche, là, le fil est bien rouge. Moi, je le vois à l'œil, mais peut-être qu'à la caméra, ça se voit pas. Et ça, c'est remonté comme le fil se dilate en chauffant. Bah, la tension, ça s'est légèrement détendu, toc, c'est remonté. Alors ces boulons, on va les garder pour l'instant les petits, parce qu'on verra si on a des mini découpes à faire, des mini trucs, ça peut être pratique. Je m'en rends pas compte tant qu'on n'a pas fait de mise en place. Du coup, on va se les garder en attendant. T'as pas envie de faire un Robocop ou un Matrix? C'est pas encore prévu. C'est des licences que j'aurais bien travaillé, mais j'ai pas la matière dans le sens où j'ai pas de figurine, tu vois. Faire un dio, mais si j'ai pas la figurine. Voilà, là encore. Oh, j'ai envie d'éternuer. Oh, ben c'est passé. Là, même si le duo, je sais que je le garderai pas à terme parce que je le fais plus pour la vidéo. Je le fais parce qu'il me plaît, parce que j'ai de la figurine pour tester tout ça, tu vois. Parce que moi, je pars des principes que faire un diorama, si t'as pas la figurine qui va avec, c'est compliqué, tu peux pas te rendre compte de ce que tu fais, machin, tu vois. Le fait d'avoir une figurine à dispo, c'est quand même bien pratique. Ça te permet de savoir où tu vas, d'avoir une idée vraiment du rendu, etc. quoi. Hop. Après, c'est clair que pour le senseïa, tu fais une figurine de senseïa pour remplacer n'importe laquelle. Hein. Ça te permet de savoir où tu vas, ça c'est sûr. Pour cette licence-là, c'est bien pratique. Tac. Hop. Ah, je suis un grand fan de cornes, moi, les gars. Mais je suis pas un bon chanteur. Quelqu'un proute. Toc, voilà. Donc maintenant, hop, on va faire comme une fois, on va tout couper dans le sens de la tranche. On va récupérer, hop, le seau comme l'autre fois pour mettre les dalles coupées. Hop, je vais me le mettre. Si je mets ici, ça vous gêne ou pas pour voir? Non, ça va. Ça vous gêne pas. Un futur duo SNK est prévu. Alors oui, j'ai prévu d'en faire un. Je l'ai pas encore fait parce que ce que je veux faire dessus, je sais que ça coûte de l'argent et que Coco n'est pas encore assez auto, n'est pas encore assez autosuffisant. Je sais pas si le mot convient. Mais pour me permettre d'acheter
beaucoup de choses, enfin des choses chères, on va dire. Donc là, je ramène un tout petit peu d'argent. Fonction de Tipeee ou de, surtout comment, du partenariat Amazon. Et quand vous achetez des produits, en fait, quand vous allez sur les liens que je vous montre en description pour acheter des produits, je touche une commission dessus. Et même si vous n'achetez pas mes produits, juste le fait de cliquer sur le lien et d'acheter n'importe quoi d'autre, mais sur le fait d'avoir cliqué dessus, genre un quart d'heure, une demi-heure avant, si tu achètes une boîte de capotes ou des assiettes en bois, je vais toucher de la thune. Je vais toucher de la thune. Parce que, pas de principe que j'aurais fait de la pub. Donc, c'est le principal revenu de Coco pour l'instant. Et un petit peu de Tipeee. J'ai eu un donateur Tipeee. Tipeee, oui, Tipeee, non, Tipeee. Sachant que, alors je ne sais pas pourquoi ils ne font plus ça, on ne peut plus faire, par exemple, le fait d'aller voir une pub pour donner un peu de thunes sur Tipeee, sur YouTube, ils ne le font plus ça. Avant, il suffit de regarder une pub et ça donnait pas grand chose, un centime, mais voilà, c'était juste cool, c'est le geste qui compte, tu vois. Mais ils ont tiré ça, je ne sais pas pourquoi, il y a forcément une raison, mais je ne la connais pas. Donc voilà, donc le duo SNK sera là que quand la chaîne sera autosuffisante. Parce que si je me mets à pomper dans le pognon de la famille, ma femme va faire la gueule. Donc on va pas faire. En même temps, c'est normal, faut dire. Parce que Coco Déco, c'est pas ce qui nourrit la famille. Donc là, on va faire comme j'ai fait sur l'autre live. C'est-à-dire qu'on va couper une bonne partie des dalles en moitié-moitié. Donc on va faire des dalles de 1 cm, puisqu'on est sur du 2 cm d'épaisseur. Et on fera d'autres dalles où on va couper plus petit là et plus grand là. Comme ça, on va vraiment avoir plein plein de tailles différentes pour donner un effet vieux, tout ça quoi. On sait pas tout faire, mon coco. Tu es doué en duo, tu peux pas être doué en chant. Ouais, c'est clair. Et ce qui est dommage, parce que comme vous savez, je fais de la musique et je fais des morceaux. Et là encore, cette semaine, hein, j'ai composé, j'ai enregistré tout un morceau. Mais c'est un morceau qui serait fait pour être chanté, donc ça fait une partie. Un morceau, mais sans la musique, sans le chant, en fait, ça fait bizarre quoi. Enfin, c'est pas que ça fait bizarre, c'est que moi ça me fait pas bizarre puisque je l'ai fait, je le connais le truc, mais pour n'importe qui, ça fait très répétitif parce qu'il manque le truc quoi. Mais sinon, ouais, je compose, hein, Julien, cette semaine encore, j'ai composé, j'ai enregistré mon morceau pour ça. Mais bon, tant que je peux pas mettre de voix dessus, donc après, c'est ce qui est dommage, c'est que c'est composé entre guillemets pour rien, même si je me fais plaisir en le faisant. Hein. Je reçois, ça s'arrête pas. J'ai quoi? J'ai un truc d'ouvert dans mon ordinateur ou quoi? Ah bah oui, c'est Facebook qui arrête pas de faire bip bip pop. Ouais, t'as trouvé Facebook. Voilà. Voilà. Merde. Reviens là, toi. Tac. On va rapprocher un peu parce qu'on n'est pas tout à fait égal au niveau moitié. Il faut prendre en compte que la proxone techniquement ne coupe pas le poly, elle le fait fondre. Donc elle scinde pas la pièce en deux en soi et supprime la partie du milieu. Donc on perd de la matière, c'est ce que je veux dire. Un cutter, on va pas retirer de la matière, on va séparer en deux. Lui, il va bouffer la matière qu'au milieu, du fait du coup on aura deux parties différentes parce qu'il fait un trou au milieu. C'est voilà, faut jamais oublier ce truc. Nouveau de sensor, oui, tout à fait, Julien. Voilà, déjà là, hop. Voilà, et là on est. Alors je sais pas si vous avez rendu compte. Je vais rapprocher après la caméra. Voilà, là, hop. Là on a une botte de. Voilà, on est bien par égal. Hop, on va vous rapprocher un peu. Voilà. J'avoue que ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Techniquement, au cutter, c'est faisable à faire ça. Mais ça serait tellement la merde, tellement long. Que voilà, là, ouais, donc c'est vite installé, c'est sans problème. Et la coupe, elle est propre. Hein. Le tout dans la proxone, c'est quand on coupe avec, c'est de pas. Et là, je fais tout d'une traite. Vous voyez, là, je vais en prendre une. Là, je vais en prendre une chute au cas où, quand même. Hop, voilà. Je vais y aller, mais. Ouais, hop. Ouais, voilà, j'y vais pas, je suis pas fluide quand je coupe. Et vous voyez ce que ça fait? C'est pas lisse du tout. Faut vraiment avoir un bon rang. Bien, on avance, continue en fait. Faut pas ralentir, faut pas accélérer. C'est comme ça chauffe. Forcément, si on ralentit, ça va bouffer plus de matière.
Si on accélère, on va bouffer moins de matière, donc ça fera des irrégularités. Donc vous y allez vraiment à la bonne vite, à la même vitesse tout le temps. Et un truc qui peut nous aider, c'est que forcément le fil, il va offrir une résistance, même si c'est un de la pièce en deux, il nous offre une résistance et ça nous aide à contrôler cette fluidité, la force qu'on exerce sur la pièce et à gérer notre fluidité. Après, on peut toujours passer un coup de papier de verre pour poncer la pièce si on a quelques irrégularités, quoi. Mais après, si on a des trucs comme je vous ai fait sur celle-là pour vous montrer, laisse tomber le ponçage, on refait une pièce, hein, tu vas chier pour. Tu vas galérer pour rien, quoi. Toc. Alors. Par contre, fais attention, les vapeurs sont extrêmement toxiques quand tu coupes comme ça. Oui, c'est clair, je confirme, c'est très toxique. J'ai pas le thermocut, j'ai coupé mes dalles au cutter et c'est très difficile. Ah ouais, entièrement d'accord avec toi. Je confirme, c'est très très difficile. Pour ça, c'est exact, c'est pratique, mais par contre, si t'as un seul diorama à faire, c'est pas la peine, tu vois. Tu vas dépenser trop d'argent pour pas grand-chose, quoi. Voilà, hop. Qu'est-ce qui se passe sur Discord là? Hop. Tac. Ah non, ok, d'accord. Pareil, s'il y a des nouveaux, je répète, si vous avez envie de parler à voix haute avec moi ou avec d'autres maintenant tout de suite, sur le Discord, j'ai ouvert le channel vocal. Donc si vous connectez dessus, on pourra parler. Si vous avez des questions à poser. De faire à voix haute, que je vous réponde à voix haute, c'est jouable. C'est pas comme si j'avais 50 000 abonnés et que je pouvais pas gérer ça. On n'est pas grand chose, on est quoi? On est 14 sur le live. C'est tout à fait gérable pour ceux qui ont envie. Sachez une chose, c'est que si vous le faites, par contre, forcément, tout YouTube vous entendra. Enfin, tout YouTube. Je comprends, hein. Ceux qui regardent la chaîne, quoi. D'ailleurs, tout YouTube, on va non plus s'enflammer, les gars. Hein. Hop, puis on aura un sujet de conversation parce que. Faut que je bave quand même régulièrement, faut que je parle pour maintenir le truc, quoi. Ah, ça fait du bien de boire un coup. Puis vous pouvez peut-être avoir des questions pertinentes qui peuvent intéresser aussi les personnes présentes dans le chat. Alors, je vois que certains d'entre vous m'envoient des messages en privé, mais du coup, je les regarderai tout à l'heure. Que gérer le chat, le messenger privé plus le chat YouTube plus Discord plus l'audio, ça fait beaucoup après. Justement, en acheter une car j'ai dit justement en acheter une car j'ai énormément d'idées mais pas la place pour exposer. Ah oui, ça, on a tout ce problème-là. J'ai hâte de commencer, mais. Avec le temps qu'il fait, je ne peux pas le faire, j'attends qu'il fasse. Ah oui, toi tu bosses dehors, toi, c'est vrai. J'ai juste une terrasse, mais pas de cave, ouais. Avant, j'étais comme toi. Avant d'habiter dans notre maison, on était en appartement. Je bossais sur ma terrasse, quoi. Mais moi, j'y bossais même en hiver, hein. Je m'en foutais, je bossais en hiver. Mais alors, par contre, dès que t'avais du vent, de la pluie. Oh l'horreur, oh l'horreur. J'ai déjà fait un live avec les éclairages qui s'envolaient et tout. Oh là là, la galère monstre. Mais ouais, si, ouais. Je connais le problème. D'ailleurs, si tu vas sur ma page Facebook ou même sur la chaîne YouTube, sur des vieilles vidéos, tu verras que je bosse sur mon. Il y a certaines vidéos qui sont réalisées sur mon balcon. Uniquement les parties où je réalise, hein, les parties où je parle, non, quand même pas, tu vois. Mais voilà. Mais mes voisins, en fait, tout l'atelier, j'avais littéralement un établi, tout mon atelier restait sur le balcon et tout. Donc les voisins, tu sais, ils comprenaient pas, ils me voyaient bosser sur le balcon des fois. Ils comprenaient pas ce que je faisais, quoi. J'étais un peu l'attraction du village, que j'en suis dit, tiens, regarde, il y a le mongol qui bosse. J'étais vraiment demandé ce que je faisais, quoi. Ouais, parce que là je me suis mis playlist corne là pour écouter tranquillou ce soir. Et ce que j'aime bien, c'est que dans la playlist, bah, il y a beaucoup toujours aux choses. Là, on a du Slipknot, on a du Limp Bizkit.
me toujours plein de choses. On se demande pourquoi. Et ils se font pareil sur Deezer. Hein. Quand j'écoute de la musique sur Deezer, je mets une playlist de tel artiste. De bout de deux morceaux, je me retrouvais avec un morceau d'un autre artiste, quoi. C'est un peu relou des fois. Salut Niki, tu vas bien? Tranquille? C'est vrai que ça fait. Alors attends, juste tirasse. La proxone, ce serait un investissement futur. Ah bah oui, c'est vrai que tu vas beaucoup plus vite avec ça, il n'y a pas photo. Moi, j'ai plus rien depuis un mois. Moi, je suis plus rien depuis un mois. Tu vendais ton corps sur le balcon? Ah ouais, je vendais mon corps sur le balcon. Grave. Je me rappelle bien de ton balcon. Je vais même vous dire, pour ceux qui ont vu les photos, qui ont vu en convention mon gros diorama DBZ qui faisait Namek là, qui faisait 2m50 sur 1m20 sur 1m20. Quand je l'ai fait, je me suis légèrement porté dans les côtes, il passait plus par la porte, même démonté. Donc du troisième étage par ce fameux balcon. On l'a entouré de papier bulle, de carton, on l'a sanglé, on l'a descendu. On était à 7 personnes pour le descendre et tout par le balcon. Récupérer au rez-de-chaussée pour le charger dans un camion. 3 en haut pour le descendre avec un système de poulies et une corde. 3 en bas pour le réceptionner. Et un quatrième plus loin avec une corde pour le tirer des murs pour pas qu'il frotte sur le mur pendant qu'il descend et tout. Oh le bordel que c'était, ma gueule. Oh là 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 là. Un vrai merdier le bordel. Je m'en rappelle bientôt. Quand tu as acheté le poli et que j'en ai. Alors, quand j'ai acheté le poli et que j'en ai pris qu'un, la vendeuse m'a demandé si c'était pour quoi faire. Quand j'ai expliqué, elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle entendait parler d'audio. Ouais, mais bah, je sais que ils ne sont pas souvent au courant en fait. C'est pas leur métier en fait, on va dire. Donc, ouais, ils savent en fait souvent qu'on a des utilisations. Que les gens ont des utilisations dérivées, mais ils savent pas laquelle. Mais ça m'est déjà arrivé en parlant avec des vendeurs. On sait, les gens ils font pas que ça avec. Ils font d'autres choses, mais ils savent pas vraiment ce que c'est. Oh, oui, un exemple. Vous voyez, le polystyrène, quand je l'ai acheté, il a été manipulé en magasin. Donc si vous voyez bien, si vous regardez bien là, ça se verra peut-être mieux là. Vous voyez là, il n'est pas droit, ça fait des trucs comme ça. Vous voyez, ça fait des creux. Mais forcément, je vais le poser comme ça et non comme ça. Et vous voyez, là on sent la trace. Mais au final, ça va peut-être me faire une dalle un peu de travers et ça va donner un effet sympa sur le duo parce qu'on est sur un duo vieilli. Bah, ça a une dalle légèrement de travers, ça peut faire sympa. Donc, c'est à garder. J'avais gagné un duo à une tombola sur un groupe Facebook Athénée Exclamation il y a quelques années. Ah, et c'était quoi comme duo? Puis sur celui-là, j'ai fait un. Il y a eu une tombola un jour et j'avais fait un duo qui était fait pour être gagné dans une tombola sur ce groupe-là une fois. Donc serait-ce le mien? Celui que j'ai fait, c'était format d'étoffe, il me semble. Avec genre une colonne cassée au milieu. Et j'avais fait un fond avec un ciel étoilé et des nuages. Il y avait une ambiance. Les dalles étaient grises. Et pareil, la couche de terre en dessous, comme j'ai fait sur le duo d'avant et comme je vais faire sur celui-là. Toc. Toc. Voilà, maintenant on va attaquer la partie de dalle qu'on va faire de façon inégale. Tu seras à Japan Expo de Paris? Bah, prochaine oui, mais cette année il n'y en a pas. Hein. Donc, ça sera 2022. Alors, attends, hop, je suis éteint. Ouais, je suis éteint. Okay. Voilà, hop. Donc, oui, j'y serai. Mais voilà. Oui, c'est bien sûr celui-ci. Ah bah donc t'as un duo à moi chez toi alors. Voilà, donc t'as vraiment. Ah, je l'ai fait il y a longtemps, mais c'est un duo que j'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Hop. Et alors, ce qui n'était pas volontaire, mais on me l'a fait remarquer quand je l'ai fait,
C'est que le fond que j'ai fait, on dirait un peu un signe. Donc si tu mets ça, si tu mets yoga, en fait, t'as l'impression d'avoir le signe qui vole derrière lui, en fait. Ah, 2022, oui, ça j'y serais, c'est pas un problème. Si bien sûr elle n'est pas annulée, ouais, j'y serais. Je sais que c'est. Je peux te dire, c'est que c'est avec l'organisation de la Japan Expo, ça c'est déjà dans les tuyaux. Hein. De ce côté-là, oui, ça c'est bon. Après, c'est une question de sanitaire, quoi. Est-ce qu'ils auront toujours lieu? Voilà, quoi. Pareil, hein, normalement, il y aura d'autres conventions entre-temps. Si elles sont pas annulées, tu me verras dans d'autres conventions avant. Hein. Quoi, t'es où? T'es en Île-de-France, toi, c'est ça? Mais alors? Et on t'as du mal, là. Celle-là va être mal faite, celle-là. Il fatigue, le truc. Je suis à force de change. Hop. Je vais refaire le fil. Il est fatigué, le fil. Tac. Hop, voilà. Hop, on va remettre le nouveau fil dedans. Alors pour ceux qui connaissent Korn, j'écoute Here to Stay. Here to Stay. Ah zut, je l'ai passé, série. Ou plutôt pas s'enfoncer, du coup, je l'ai pas pris dans la vis. Allez, rentre dedans, Coco. Non, je ne me parle pas moi-même. Bah alors, Michel, t'as du mal? Hop, voilà. Voilà. Là, je l'ai eu. Voilà. Hop. Ah bah voilà. Là on est bien. J'essaie de passer. D'accord, bah avec plaisir. Pas plus simple de faire direct avec du poly 10 d'un centimètre d'épaisseur. Alors sinon on va trouver du polystyrène. Ce qu'on appelle de la marque s'appelle Dépron, qui fera 9 mm d'épaisseur, ça se trouve. Mais la densité du Dépron n'est pas la même que celle-là. Et il est beaucoup moins bien texturable. Donc la texture, je vais avoir du lait, ça va pas faire. Et on va le ressentir en fait. Voilà. Même après la peinture, on va le sentir en fait que c'est pas le même polystyrène. Et tu peux pas lui donner autant l'aspect que tu veux en fait. Il se travaille pas, il n'est pas fait pour ça en fait. Si tu vois ce que je dis, il est vraiment blanc, blanc, mais le blanc de chez blanc quoi. Je tombe trois chances, j'en utiliserai pour le 2, donc je vous enverrai forcément au moins un autre. Non, non, c'est pas une bonne idée. Tu peux, hein, mais la texture prendra pas aussi bien. Voilà, moi j'éviterai. Non, je suis dans le Maine-et-Loire, mais j'y vais tous les ans depuis 2012. Ah bon, on a déjà dû se voir. Est-ce que tu as vu en 2019 un stand de diorama qui était à côté du musée Gundam et du musée Goldorak, où il y avait des démonstrations de diorama et que même les gens pouvaient faire leur diorama. Est-ce que tu te rappelles de ça? Non, je suis dans. Ah non, j'ai toujours le même message. Toc. Alors, dernière dalle. Ok. Donc les dalles sont faites, ça c'est bien. Il se fait quelle heure les enfants? Je regarde quand même vite. Et 22h03, ouais, ça va, on est bon là. Hop. Je regarde vite fait, juste vite fait un truc, les enfants, et après on va s'attaquer aux briques. Hop. Alors je sais pas vous, j'ai une grosse galère avec mon Messenger. Tout à l'heure, il s'est mis à ne plus m'afficher une nouvelle conversation. Je sais pas pourquoi. Il avait pas envie. On va savoir pourquoi.
Hop. Tac, tac, tac. Ouais, il m'affiche pas les. Je reçois des messages, mais il ne les affiche pas. Ah voilà, il faut que j'actualise moi-même pour voir les nouveaux messages. Hop, moi je verrai tout ça après. Mais voilà. J'ai toujours un petit truc. Juste 2 petites secondes, mais je suis pas long, vous inquiétez pas. C'est quoi, c'est, ah oui, Discord. Hop. Merde, j'ai pas refermé le truc avec le. Ça va dans l'eau. J'ai pas refermé la colle, je ne me rends compte. Toc. Voilà. Ah, il me reste encore quelques dalles. J'ai pas vu qu'il me restait quelques dalles à faire. On va les faire maintenant. Toc. Alors. Zut. Donc j'ai passé. Alors. Ça me dit vaguement quelque chose, mais cette année-là, j'étais avec un capote qui partait dans tous les sens. Ah bah. Parce que moi, ça fait des années que j'expose sur la Japan Expo, donc tu as dû m'y voir plusieurs fois. Et en l'occurrence, c'était notre stand. Tous les dioramas que tu as pu voir, par exemple, dans le stand Gundam ou Goldorak, alors c'est pas que moi, je suis parti d'un collectif, c'est notre collectif, donc, et moi aussi, qui avons fait tous les dioramas qui sont exposés dans ces deux musées-là. Puis on avait un stand de plus 80 mètres carrés, un truc comme ça, ou 90 mètres carrés, juste en face. Où il y avait, donc il y avait une partie exposition, on exposait nos travaux. Une deuxième partie où nous on travaillait devant les gens, on montrait ce qu'on faisait en direct. Et un troisième endroit où les gens pouvaient venir créer un diorama, tout simplement. C'était gratuit, ils pouvaient juste venir. On s'estait, il y avait des horaires bien calés. Et nous on était avec les gens, on les aidait, on les accompagnait pour réaliser un diorama. Ton exposition ressemblera-t-elle à Gundam? Non, on ne sera pas du tout dans le même truc. Pas du tout, on est sur autre chose, tu vas voir. Tu peux avoir des places pour Japan Expo pour nous? Je sais pas. Ça, après, c'est un truc à voir parce que faut savoir une chose, c'est que Japan Expo, donc c'est organisé par CEFA, l'entreprise qui gère Japan Expo s'appelle CEFA. Pour eux, ça reste un business. Donc pour eux, je pense pas que je touche assez de monde pour dépenser parce que ça coûte de l'argent du coup fatalement parce que s'ils te donnent un pass, c'est que tu payes pas, tu rentres gratos, donc ça fait de l'argent moins. Donc je peux toujours voir. Mais je ne promets rien. Parce que je pense je ne touche vraiment très mieux, entre guillemets, j'ai 2000 abonnés, hein, un peu plus que 2000, un truc comme ça. Je veux dire, t'as le chef OTKO qui doit avoir, je sais pas, moi peut-être 200 000, j'en sais rien, 500 000, un truc comme ça. Comment il s'appelle, Louis San, si vous connaissez Louis San, le youtubeur japon qui habite à côté de chez moi d'ailleurs, hein, il habite dans mon quartier. Pareil, c'est les gens qui touchent normalement, donc c'est facile pour eux. Mais moi, je touche personne, les gars. Vous êtes pas grand monde, hein, comparé à ce que peuvent toucher de vrais youtubeurs. Moi aussi, ça déconne à plein tube. Ah ouais, mais moi aujourd'hui, c'est une horreur, Messenger. Je dois vous laisser, je regarderai la fin en replay. Bah, à plus, Rémi, à plus. Moi, j'aimerais bien, au contraire, ça me ferait kiffer de pouvoir proposer ça à. Surtout aux gens qui sont vraiment les plus assidus, machin, ou proposer, je sais pas, un concours, j'en sais rien, pour faire gagner, hein, mais je sais pas si Japan accepte. Après, ce sera négocié, j'ai jamais essayé de demander, vous savez, je suis pas. De base, je suis pas gourmand. Et j'ai jamais ressenti ce besoin dans le sens où, là, en fait, c'est que depuis le début de l'année 2021 que je me fais des lives, que j'ai beaucoup d'échanges avec vous. C'est vrai qu'avant j'avais pas beau, j'avais quelques échanges avec vous, mais c'était pas pareil. Donc je m'étais jamais trop posé ce genre de questions. Parce que je suis pas du genre à aller quémander pour avoir ci, pour avoir ça auprès des organisateurs. Je suis pas l'exposant chiant du tout. Tu pourras mettre le lien de la lettre pour que tu vas mettre dans la démission. Ouais, je t'en mettrai une, mais c'est un truc pas cher, hein, ça va coûter genre 10-15 balles, pas plus, hein. Mais ouais, je te mettrai le lien. Toc, donc les dalles sont faites, maintenant on va s'attaquer aux briques. Si tiens, je vais garder les petites. J'avais dit que je ferais les petites. Au cas où. S'il y a des mini découpes à faire, ça peut être bien. Toc. Toc. Voilà. Hop, hop.
Tac. Là, on va redécaler ça pour refaire une coupe égale, du coup. Voilà. Hop. Ah, là, ça me lance les Slipknot. Unstained, le Slipknot. Ouais, bah je vous fais vivre ma playlist, hein, mais bah, juste comme ça, puisque vous l'entendez pas. Mais je vous jure, c'est kiffant, ça fait du bien de pouvoir écouter quelque chose. Un peu de musique. De, entre guillemets, vraie musique, dans le sens où la musique, j'ai vraiment envie d'écouter, pas des musiques libres de droit, ou c'est parce que j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre ça, parce que j'ai pas le choix. Alors attends. Dans ce sens-là, ouais, voilà, c'est ça. Hop, la dernière. Voilà. Hop, voilà. La quantité ne fait pas la qualité. Il faut faire quoi pour en rentrer dans ta team? Techniquement, rien. Chez notre team, c'est nous qui démarchons. Si quelqu'un nous démarche, il se fait griller de base. C'est comme ça que ça fonctionne. Et disons que nous, on fonctionne pas forcément. C'est pas parce que. On va pas venir te voir, pas forcément parce que tu fais du. T'es super calé en duo ou en peinture en machin. Enfin, forcément, foutre en face, ça fait aussi partie du principe des trucs. Mais faut aussi que ça accroche énormément côté humain. Faut vraiment qu'on soit pote. Dans la team, on est tous potes en soi, si tu veux. Si on est d'abord potes avant d'être dans la team, si tu veux. Après, c'est pas un, on n'est pas sur une team ouverte à 50 personnes, on est 10, 11, avec tout type d'une. Voilà. Après, on n'est pas la seule, hein, t'en as d'autres des teams. Hein. Nous, on est la Starhill Team. Il y a, y a la Crusty Crew, il y a Madès, enfin Madès, c'est pas une team, c'est une association. Il y a le Sensei Squad, Sensei Experience. J'en connais pas trop d'autres en fait là. Il y en a peut-être d'autres, mais sur, j'ai pas les noms, c'est possible. Je parle en France, après il y en a à l'étranger, hein, mais je parle des teams françaises, bien sûr. Mais voilà. Alors, on va pousser ça. Hop, on va s'attaquer aux briques. Alors, les briques, je vais vérifier, vite fait vérifier mes dimensions, mais de mémoire, on est sur du 3 par 1,8. Alors, 3 cm. Sur 1,9, excuse-moi, 3 cm par 1,9. Alors, 3 cm. Voilà, hop, 3 cm. Voilà. Bon, pareil, je tiens. Alors, je dirais. Il faut faire quoi pour. Moi, je suis dans votre. Faut pas être que le mien, ça marche pas comme ça. Faut pas être que le mien, il faut être le pote de 9 autres personnes. Hein. Faut pas être que le mien. C'est pas moi le boss de la team non plus, hein, je précise. Si la team existait avant que je sois là, j'étais recruté par la team. Mais la team, et la team a. La Staride, elle a 11 ans cette année. Moi, la Staride, j'en fais partie depuis 2017. Donc, 2018, 2019, 2020, 2021, ça fait 4 ans. 4 ou 5, oh, 4 ou 5 ans, je sais plus. Peut-être 2016. Faire 4 ou 5 ans que j'en fais partie de la team, un truc comme ça. Bon, en gros, à peu près la moitié de la vie de la team maintenant, je vous la. Mais voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, ça. Ah si, j'allais dire si, alors j'ai oublié de le dire, mais voilà. Je voulais faire aussi encore un grand remerciement pour tous ceux qui m'ont. Vous en faites partie, parce que beaucoup d'entre vous étaient déjà là. Mais un grand remerciement à tous ceux qui m'ont suivi pour les premiers lives dans les Senseiya, et même le Gundam, parce que ça entend vous étiez déjà là à l'époque du Gundam. Un grand merci à vous de me suivre, parce que bah, mine de rien, bah, ça me fait plaisir, parce que je vois que je bosse pas pour rien. Donc voilà. Donc voilà un grand merci. Et puis voilà, puis là je vois, bah après je suis honnête dans les SNCA, je vois que ça marche plus que Gundam. Maintenant je ferai pas tout le temps les SNCA, mais voilà. Bon, en revanche, c'est pas pour ça que j'en ai refait un, hein, là, c'est vraiment parce que j'ai le thème que je veux, j'ai vraiment envie de le faire d'une façon que je l'ai jamais vu travailler.
et que j'ai envie d'essayer de le rendre comme ça. Et que j'avoue que j'aurais pas eu de live, enfin pas YouTube, je l'aurais jamais fait. Là, le YouTube est l'excuse pour le faire. Bah, c'est comme le duo d'avant d'ailleurs, hein, le duo de Cynthia que j'ai fait le mois dernier avec vous, c'est pareil, hein, je l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas YouTube. Tac. Hop. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il est où mon curseur? Il est là, mon curseur. Non, il est là, mon curseur. Il est là. Oui, je bavarde tout seul, c'est ça. Comme tu dis, je bavarde tout seul. Bon, papy va se coucher. Bonne nuit. Bonne soirée à tous, bonne continuation. Puis être sûr que je regarderai la vidéo demain matin. Bah écoute, merci à toi d'avoir été là et puis bah, bonne soirée, bonne nuit à toi. J'ai une vie antisociale depuis tes lives, ma femme m'a quitté, mon chat est parti. Mais la question importante, c'est est-ce que tes morpions t'ont quitté? C'est ça moi qui m'intéresse, qui m'inquiète, c'est est-ce que eux aussi sont partis? Si eux sont partis, c'est vraiment là qu'il faut t'inquiéter. Là, pourquoi tu te retrouveras vraiment seul? Je vis comme un ermite dans sa grotte. On a fait couper quand même de travers. Alors pareil, ce qu'on va faire aussi sur celui-là, c'est qu'en dessous des briques, on va mettre une partie plate comme on a fait sur l'autre. Comme ça, on va donner. Pareil, on va encore essayer de tricher. Enfin, tricher, pas tricher, mais par illusion visuelle, vraiment donner l'impression de grandeur. Donc, pareil, les colonnes, on va rester sur les mêmes dimensions, sur du 8 cm de diamètre de colonne. Hein. Il faut vraiment qu'elle reste grosse, hein, balèze. C'est ça qui va vraiment donner. Qui va nous donner cette impression de grandeur, quoi. Après, il faudra quand même que je vérifie, c'est que faut que j'aurais posé un peu à l'arrache les dalles. Faut qu'on pose quelques figurines pour se rendre compte de si on peut caser trois figurines plus les colonnes ou est-ce qu'il faut que je décale l'emplacement des colonnes et tout machin. Enfin voilà. Hop, ça, on a la poubelle qui est juste là. Voilà. Alors ça, je sais déjà que ça suffira pas, mais. Je vis comme un ermite dans sa grotte. Pourquoi tu fais toujours me faire une base? Vas-tu peindre en violet comme la saga Hadès? Alors, pas forcément violet en soi. On va plus taper un bleu nuit, je pense. Je me tâte, mais je pense que oui. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé ce type de couleur. Il y a la musique qui s'est arrêtée, donc il croit que je suis plus là. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé ce type de couleur. Mais je pense qu'on va faire ça. Je verrai bien au fur et à mesure de l'évolution du projet, de ce que j'ai en tête. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense même qu'on jouera sur les couleurs, en fait, que à proximité de l'explosion, on fera une couleur un peu plus claire, plus lumineuse, pour symboliser la lumière de l'énergie d'explosion du. Enfin, je sais pas si on peut dire explosion, une espèce d'halo d'énergie, en fait, de la rencontre des deux attaques, en fait. Donc. Alors, hop. Ah, putain, voilà. Alors pour vous donner un ordre d'idée, en termes de polystyrène, là, hors colonne, on va être à une plaque plus le quart d'une plaque de polystyrène de 2 cm. Après, bon, pour le polystyrène de 8 cm qu'on utilise, ça coûte cher, enfin cher, plus cher.
Mais on n'utilise pas une entière. Je vais aller regarder ça tout de suite. Il y aura graphe ou pinceau, il y aura les deux. Du Sensia, ça me saoule la force, le prend pas mal. T'inquiète pas, hey, chacun a le droit d'en avoir marre. Hein. T'es loin d'être le seul d'en avoir marre. Hein. Je veux dire, moi ça fait longtemps que j'en bosse plus. Là, je l'ai fait vraiment parce qu'il y a YouTube et que ça me donne une excuse pour travailler. Certaines choses que je ne vois jamais et que j'aimerais bien voir, du coup je les fais moi-même. Parce que je trouve que le problème qu'il y a dans les dioramas Sensia, c'est qu'il y a beaucoup de dioramas, ce sont des dioramas de... Comment dire, où en fait on ne veut pas mettre en scène en soi les figurines, on veut juste poser plein de figurines dans un décor qui ressemble à du Sensia, si tu veux. Mais tu vas pas représenter une scène vivante. Juste à un bout de temple avec plein de figurines qui sont debout, machin, et qui te regardent, tu vois, de ce que je veux dire. Je sais pas si tu piges la nuance. Et toi, je pense que j'ai envie d'avoir un truc vraiment qui soit vraiment vivant et qui représente quelque chose, une scène, une action, tu vois. Que celui que j'ai fait là avant, c'était ce que j'ai dit avant, tu vois. L'ancien duo que j'ai fait, c'est plus un duo qui montre une figurine qui est droit debout, droit devant toi, mais t'as rien de vivant, t'as pas d'action, tu vois, c'est pas dynamique, tu vois. Et dans Diocensia, t'as très très peu du ramax dynamique qui le sont, quoi. Takio, qu'on a fait un il n'y a pas longtemps, qui est vraiment dynamique, là, avec... Ah, je sais plus, enfin, le personnage d'Asgard et de Poséidon, là, les deux qui s'affrontent. Puis moi, ça m'a fait tourner un peu dans mes débuts, quoi. Mais ça reste le début, Sensea, de ce que je faisais avant. Donc ça a un petit peu la nostalgie. Moi j'en coupe encore une, je vais regarder après si ça me suffit ou pas. Parce que ça commence à faire beaucoup ce que je coupe là. Hop! Allez, on va regarder où on en est. Hop! On va prendre tout ça. On va le mettre en place grosso modo pour se rendre compte de la quantité qu'on a fait, de si ça va suffire. Et sachant, je rappelle qu'il faut qu'on va tout doubler, puisqu'on va tout couper en deux. Donc en fait, on va faire le double de briques. Largement c'est. Je vais même dire même déjà trop là. Donc à la limite, je vais pas tout couper du coup. Alors, vous me voyez pas, mais bon, vous m'entendez du coup, je fais exprès de parler un peu pour pas grand chose. Bon, en gros j'en ai trop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de me rendre compte à peu près de ce que j'ai besoin en quantité et de ne pas, de pas en découper trop en fait, parce que j'en découpe trop au moment. Ben, ça fera trop hein, pour le coup, c'est le cas de le dire. Ça fera trop. Tac, tac. Voilà, c'est largement suffisant ça. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Et tac. Et les autres qui... Hop, je vais couper que celle que j'ai dans les mains. Hop. Et tout ça, on ne le coupera pas. Hop, on va se mettre de côté, ça peut servir à autre chose. Et ça va faire de tronche. Alors, un duo Naruto, genre le terrain d'entraînement avec les trois poteaux serait super. Alors, le truc, c'est que je ne suis pas familier avec la licence Naruto. Je n'ai jamais vu ni lu Naruto. Donc après, travailler sur un diorama dont tu ne connais pas la licence, c'est compliqué. Pour faire vraiment un truc, si tu veux vraiment un truc, toi, qui est une âme, qui est du... Faut un beau diorama qui est une âme et tout, faut que tu sois familier avec ce que tu veux faire, en fait. Donc voilà, donc si toi, j'en ferai pas parce que j'en suis pas familier, que je risquerais de faire de la merde. T'en as l'autre qui serait tellement meilleur que, pour moi, que moi pour faire du Naruto, que voilà. Et Dallage plus colonne. Oui, c'est totalement ça. C'est pour ça que là, tu vois, je veux vraiment lui donner un truc en plus au dallage plus colonne. Là, je veux vous montrer que, mec, dallage colonne, on peut rendre la chose tellement plus vivante que ce que vous, que ce qu'on voit, enfin vous, mais moi aussi, hein, que ce que tout ce qu'on peut voir en règle générale. On voit juste des diodes d'exposition, où tu exposes ta figurine debout, quoi.
Même si elle est posée un peu sympa, ça reste debout quoi. C'est pas dynamique, t'as pas, comme si dans ma vitrine vous avez pu voir le Pégase qui met un coup de poing dans le mur avec les colonnes qui volent dans tous les sens. Ce genre de diorama-là, on n'en voit pas beaucoup en fait, qui soit vraiment dynamique comme ça. Et c'est ça que je veux faire. Comment tu connais pas? Alors Romanovitch, pour pas rentrer dans les détails, parce qu'après ça reste ma vie privée. Moi, les mangas, je n'ai connu ça qu'à l'âge adulte, à partir du moment où j'ai vécu tout seul. J'ai vécu dans un univers où la télé, c'était interdit, ce genre les divertissements étaient interdits. Donc les mangas gosses, moi, je n'ai pas connu. Naruto, c'est vieux Naruto. Hein, c'est quasiment aussi vieux que DBZ, hein, je veux dire, c'est les années 80, fin 80, hein, Naruto. Moi, j'ai pas connu à l'époque. Bon, du coup, j'ai des grosses lacunes, hein, beaucoup de mangas, hein, beaucoup de mangas. Hein. Moi, Goldorak, que je connais le nom, mais basta. Hein. Voilà quoi. Et puis mon pote. Ah. Un petit coup pour se désaltérer. D'ailleurs, dans quoi je vais les poser mes briques quand je vais les avoir finies. Est-ce que j'ai un truc qui traîne ici pour les mettre? Oh, je pourrais les mettre dans mon tamis. Ouais, ok. Alors, je vais commencer par faire quoi? Moi, j'ai commencé par faire ça. Et je ferai les autres sens après. Donc. Hop. Donc, hop. On va faire comme tout à l'heure. On va couper en moitié et après en petite et plus grande partie. Comme on a fait pour Edal et comme on a fait pour le Diorama Sensia l'autre fois. Si tu avais un budget illimité, tu ferais comment, quoi comme duo de mes rêves avec un budget limité? Franchement, si tu parles du principe que ça pourrait acheter des accessoires vraiment de diorama, bah franchement, je pense que je taperais du Gundam, tu vois. Mais vraiment, un gros Gundam, un beau Gundam, déjà gros en termes de volume. J'aime bien travailler sur des gros dioramas en fait. Je fais des petits Gundam, pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, simplement. Mais d'avoir un beau gros Gundam et en faire avec des beaux. Parce qu'ils vendent, Bandai, ils vendent des beaux accessoires de. Pour travailler des belles structures, après pour les repeindre, tout ça. Et je pense que je ferais un beau diorama. Alors, peut-être pas forcément urbain, c'est pas le mot que je veux dire. Plutôt post-apocalyptique, excuse-moi. Parce qu'il n'y a pas forcément d'urbain dans le post-apo. Parce que moi, il y a une idée de ce que je veux faire, hein, mais que je pense que je ne peux pas. Parce que mes Bandai vont de plein de structures. Avec des belles structures métalliques, un peu futuristes, industrielles, tu vois, ce genre de choses, ouais. Avec des beaux produits pour faire de l'eau. Et tous les accessoires qui vont avec la figurine en fait, parce que Gundam en fait, ils vendent un Gundam, mais t'as plein d'accessoires que tu peux acheter qui peuvent se mettre dessus pour upgrader ton Gundam quoi. Donc je pense que je ferais ça. Après, de base, je suis pas un gros dépensier, il y a plein de choses, j'aime les faire moi-même, donc je serais pas non plus du genre à dépenser énormément d'argent. Mais voilà, quitte à si budget limité, je me paierais bien une imprimante résine pour imprimer certaines figurines moi-même ou certains éléments de duo que je suis pas un très bon sculpteur. Donc qui permettrait peut-être d'avoir des petits accessoires, des petits trucs qui sont trop petits pour discuter par mes gros doigts, tu vois. Voilà. Et tu as jamais pensé à faire des duos autres que moi? Non, c'est pas mon délire. Moi, c'est vraiment parce que les mangas, les films, les animés, les séries, ça me plaît. Tout simplement. Sensei numéro 1, Naruto numéro 2. Jamais après Sensei, j'aurais cru. Et mis un autre manga. Bah écoute, moi le premier manga que j'ai vu, du coup et qui m'a fait aimer les mangas, c'était Elfen Lied, pour ceux qui connaissent. Et putain, qu'est-ce que j'avais kiffé. Alors c'est rapide de mémoire, il y a 13 ou 14 épisodes. C'est un animé bien sûr. Il existe en bouquin, mais je n'ai jamais lu d'ailleurs. C'est le premier que j'ai vu, et putain, j'ai surkiffé. C'est là que j'ai commencé à regarder avec les Blue Plus, il y avait quoi encore? Il y avait Death Note, les Bleach. DBZ, fatalement. Bon, DBZ, j'avais déjà vu quelques épisodes de gosse quand même. Faut être honnête, j'en avais vu quelques-uns, mais très très peu, quoi. J'en connaissais pas l'histoire, en fait. SNCA, j'ai découvert aussi à partir de là, de toute façon. Après, toute une chaîne de mangas, hein, je peux pas tous les citer, mais voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que. Alors, ça, c'est moi, c'est vraiment moi. Je suis très attaché au visuel. Il faut que l'image soit belle. Donc, tu vas me proposer de regarder un vieux manga, je vais être réfractaire.
même s'il est bien, je suis très réfractaire parce que l'image me fait que je vais pas arriver à rentrer dedans. J'ai besoin que l'image soit. C'est comme en vidéo. Comme vous savez, je fais de la vidéo. J'aime quand l'image est belle. Et j'ai vraiment besoin de ça. Et en animé encore plus. Non, non, Naruto, c'est 2000, mais je disais ça pour te taquiner, mon coco. Faut pas te justifier. Ah bon, j'aurais juré que Naruto était plus vieux que ça, tu vois. T'as aimé Gundam ou je t'ai tagué? Dans l'eau, ouais, oui, je l'ai même repartagé. Ah, je l'ai surkiffé. Je l'ai repartagé direct sur ma page. T'as aimé Gundam ou je t'ai. Oui, bah, je viens de le dire, ça, quelqu'un. Et Funly, ah ouais, putain, qu'est-ce qui. Ce truc, il est gore! En étant niais en même temps, c'est un truc de ouf! C'est t'as 5 minutes de gore à souhait. Et t'as 5 minutes de niais. De nier à mort quoi. Enfin, du coup David il comprend quand je dis oui, il veut comprendre, faut comprendre l'anime pour comprendre ça. Mais voilà. Allez, on lance une cagnotte pour Coco pour qu'il s'achète une imprimante 3D. Ah oh, putain, ça serait kiffant ça. Parce que j'ai une imprimante 3D FDM, donc une imprimante à fil, donc je peux faire des choses. Mais pour le diorama, c'est pas l'idéal parce que c'est plus fait pour ce qu'on appelle le hack life, c'est-à-dire que pour la vie de tous les jours, par exemple, je sais pas moi. Le support qui sert à l'ordinateur avec lequel je fais les lives, les supports téléphone, pour mon casque, plein de trucs pratiques pour la vie de tous les jours, mais pour le diorama, c'est pas l'idéal. J'ai déjà fait une fois un truc pour un diorama, mais c'est le rendu est pas hyper, tu vois, enfin dans le sens où. Comment? Il sait imprimer le détail, mais on voit les stries d'impression. Et après, il faut poncer pour les supprimer, alors déjà, c'est un temps monstre, mais monstre! Mais en plus, tu perds du détail en ponçant. La résine, tu n'as pas ce problème-là. Et tu peux imprimer plus de détails plus petits, hein, la résine, que tu peux pas faire au SDM. Mais par exemple, si vous avez déjà vu, mais je suis un fan de Stargate, donc mes Aknitels sont imprimés en ça. Mes Aknitels, c'est pas peut-être 20 heures de ponçage facile. 20 heures de ponçage. Uniquement de ponçage. Hein. Je ne parle pas de peinture, de colle. 20 heures de ponçage. Un truc de ouf. C'est des heures, des heures, des heures, des heures et des heures de ponçage. Avec un masque, on mastique, on ponce, on mastique. C'est d'une longueur, mais monstrueuse. Donc c'est vraiment pas. C'est vraiment. Chaque type de résine d'imprimante a vraiment son utilité. C'est très pratique, mais pas pour le diorama. C'est pratique pour la vie de tous les jours. Oui, Fidel, j'adore aussi. Dans tes réalisations, utilises-tu une imprimante 3D pour ça? Ah bah je viens de répondre. Une fois, ça m'est arrivé une fois. J'avais imprimé un abribus pour mon gros diorama Gundam avec la ville détruite. Et donc l'abribus c'est sympa en soi, mais il a fallu que je ponce, ponce, ponce pour supprimer ce visuel de comment de stries d'impression, donc les lignes hein, pour ceux qui. Attends, je vais vous montrer. Hop, j'ai l'impression là, vous allez le voir. Hop, parce que celle-là, elle n'est pas finie de travailler. Merde. Alors, remarque, je sais pas si on va le voir la caméra, mais bon, on va tester, on va bien voir quoi. Hop. Ouais, par exemple, j'ai imprimé ça qui va me servir de socle pour faire un diorama un jour. Donc là, voilà les stries, on les sent encore un petit peu. Moi, je les sens là, je sais pas si vous allez les voir, mais moi, à l'œil, je les sens. Surtout là. Après, peut-être qu'à la caméra, vous allez. Ah là, vous les sentez. Regardez, là, vous les sentez. Oh, vous voyez tout ça là? Il est encore à la jolie. Là, il y a déjà du ponçage, hein, mais on les sent encore. Il y a du ponçage, il y a des couches de peinture pour reponcer, mais on les sent encore. Et ça, à terme, ça fera un support de duo. Un socle de duo. Et vous voyez déjà, avec un peu moins de ponçage, on les sent encore plus là. Vous voyez? Hop. Vous voyez, je sais pas si on les sentir là. Bon, ça, c'est des supports, on s'en fout ça, mais voilà. C'est des heures et c'est des heures et des heures et des heures et des heures de ponçage quoi. Après, il y a des techniques où ça coûte de l'argent, faut mettre des résines, des trucs, des machins, mais voilà. Donc on peut faire des trucs sympas, mais voilà, après chaque imprimante a ses spécificités. Donc ça, il est en cours de travail, il faut que je leur ponce, faut que je leur machin. Enfin voilà quoi. On va pousser ça là-bas. Si je le laisse là-bas, je vais chercher porte ou mon caillou. Je vais rebord un coup du coup avant de continuer. C'est quand tu nous fais. J'en ai déjà imprimé une fois. J'ai déjà imprimé une porte des étoiles une fois. Je l'avais offerte à Ishin Sama de la Starride d'ailleurs. Il est comme il est fan de ça. Hop.
Tech. J'ai imprimé deux grosses colonnes pour mon dio, car n'ayant pas de thermocouple, je trouve rendu plus. Ah bah oui, du coup, oui. Et après les impressions, pareil, ça peut être très long. Hein, Non, pour le Zagnitel, le temps juste d'impression, je sais plus si on n'était pas à quasiment 30 heures d'impression. Et ouais, ça c'est un support de téléphone que j'ai imprimé. J'ai coupé ça. Hop, c'est en deux parties. Hop, tac, mon téléphone, je le pose dessus. Et puis voilà, là il tient. Hop. Pratique, je peux le mettre dans l'autre sens. C'est super pratique pour ça. Ou par exemple, si vous voyez là, mon imprimante 3D. La serrure de l'imprimante 3D, je l'ai imprimée moi-même. Tous les gonds, les charnières, j'ai imprimé moi-même. Tous les supports internes, toutes les équerres d'angle pour maintenir les planches ensemble, j'ai tout imprimé moi-même, quoi. L'imprimante 3D, en FDM, c'est super kiffant pour ça, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? J'ai fait un support pour ma table de mixage, pour les casques de musique, pour toutes mes pédales de guitare, pour les faire tenir sur une planche en bois et tout. Pour mon pedalboard, vraiment on peut faire vraiment plein plein de choses avec. Mais dans le dos, ça limite quand même. Puis après, il faut avoir des connaissances limites un peu en informatique, parce que il suffit pas de mettre un fichier dans l'imprimante et l'imprimer, quoi. Il faut le faut le faut, l'incru, faut, le, faut passer un fichier 3D dans un logiciel qui va créer un nouveau fichier à partir de ce fichier-là. En y mettant toutes les infos à l'imprimante pour qu'elle l'imprime, parce que vous imaginez pas, et je déconne pas quand je dis les centaines de réglages qu'il faut faire pour lancer une impression. On règle chaque chose, chaque épaisseur de couche, chaque petite chose. C'est une complexité. Enfin, complexité. C'est faisable, hein, parce qu'il y a plein de gens qui le font, c'est faisable. Mais je veux dire, voilà, il faut se pencher un minimum sur le sujet. Il suffit pas qu'on achète une imprimante 3D, du moins pour les imprimantes filaires, hein, je parle pas des imprimantes résine. On peut mettre jusqu'à facile un an avant de pouvoir faire une impression correcte, le temps d'apprendre à la maîtriser, quoi. Il y en a plein qui mettent au moins 1 ou 2 ans pour arriver à faire quelque chose de correct. Le temps de trouver les bons réglages parfaits sur la machine. Voilà. À partir de maintenant, on va décaler. Hop. Tac. Peut-être un peu trop. On va le ramener un peu. Voilà. Voilà. Hop. Alors bien sûr, on essaie de pas se brûler. Bon, après, vous m'avez déjà vu me brûler dessus, hein, donc vous savez ce que ça fait. Mais on essaie de pas se brûler sur le fil. Bon, même si ça va pas nous tuer, ça va pas nous couper le doigt, on est vite, quoi. D'ailleurs, je prends une imprimante 3D, le Zagnitel que j'ai imprimé, le premier que j'ai imprimé. Vous pourrez le retrouver sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo où je montre comment le peindre. Comment je le peins. Donc comme ça peut vous apprendre des bases de peinture si vous voulez. Tac. Alors. David. Moi, je me suis imprimé une épée d'Hadès en taille 1-1. Quand je vois le ponçage dingue qui m'attend, ça me décourage. Alors, ce que tu peux essayer, qui va énormément te limiter le ponçage, mais qui peut revenir cher en fonction de la taille du truc, tu as des mastics en spray. Et, sinon, après, tu peux prendre du. Moi, j'utilise du mastic pour voiture, par exemple.
Mais sinon, tu mets du mastic en spray et déjà, ça va te combler une bonne partie des trous. Après, t'as quand même dit que pour ça, j'ai mis cette limitée. Mais c'est dur à trouver. Moi, j'arrive jamais à en acheter en fait. Je vois plein de gens qui le font, qui marchent. Moi, j'en achète jamais parce que j'en trouve jamais en magasin en fait. Et sur internet, ça coûte toujours la peau du cul avec des frais de port, donc du coup, je l'achète pas. Toc, voilà. Attends, on va la régler pour faire l'autre trait de coupe. Tu fais quoi de tes duos après les avoir faits? Celui que j'ai fait dernier live, il est vendu. Et celui-là, je sais pas. Parce que je le fais pour la vidéo, après, je saurais pas quoi en foutre. Donc, si je peux le vendre, je le vendrai. Voilà. Mais l'autre, par exemple, il est vendu. Après, non, par exemple, le duo Gundam que j'ai fait en live au mois de janvier ou février, je sais plus, il est toujours là. Personne ne l'a réclamé, par exemple. Personne n'a envie de l'acheter, par exemple. Donc, il est là. Mais en même temps, il est pas grand, donc il est pas trop dur à caser. Mais voilà, quoi. Après, par exemple, j'ai toujours là-haut, vous devez le voir là-haut. Là. Ça, là-bas, c'est le duo avec l'explosion que je montre dans la vidéo où on fait l'océan, l'explosion, tout ça, il est là. Pareil, je sais pas quoi en faire. Hein. Si quelqu'un avait lâché, je le vendrais, parce que je ne sais pas quoi en foutre, littéralement. Il me fait chier, il traîne, il prend de la poussière, mais j'ai pas l'endroit pour l'exposer. Pareil, mon gros diorama que j'ai fait avec le unicorn, avec la ville détruite, si quelqu'un veut me l'acheter, je le vends, parce que qu'est-ce que je prends de la place, mais je sais pas quoi en foutre. Donc je le vendrai pas tout de suite parce que je voudrais l'exposer quand même celui-là un peu, parce qu'il a été exposé qu'une fois. Bon, au moins le mettre à la Japan Expo, mais voilà. Bon truc à tenter ça. Ah oui, tu parles du mastic en spray. Je sais qu'ils en vendent chez Leroy Merlin, mais à chaque fois j'y vais, j'en ai jamais. Et comme en même temps, ça fait un petit moment que j'imprime pas, du coup je pense que je trouve pas tout le temps à aller voir. Si en même temps, je passe pas ma vie chez Leroy Merlin, faut dire, hein, faut être honnête. Hein. Alors, j'ai dit que je faisais du 1,8. Donc 1 cm 8. Voilà. Donc, voilà. De couper tout ça à peu près ensemble. Hop, ces quatre là, on va les mettre autrement. Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, on a une belle brique. Donc là, les briques sont basées sur le nombre d'or. Donc le live que vous avez vu vendredi dernier, donc vendredi la semaine dernière, je veux dire, et la vidéo sortira dans 2 semaines, le temps que je la monte, parce que je ne l'ai pas encore montée. Aujourd'hui, j'ai monté la nouvelle intro, donc je répète pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai réalisé la nouvelle intro de la chaîne. C'est que j'ai le morceau, pour ceux qui savent pas, je fais de la musique, que toutes les musiques de Coco Déco sont des compositions originales, hein, et que l'intro, je l'ai réenregistrée, elle a été refaite, après j'ai un pote à moi qui a posé sa guitare dessus aussi, du coup on l'a faite à deux pour le coup, et qu'est-ce que j'allais dire, et du coup j'ai refait un visuel pour la chaîne, pour l'intro de la chaîne, donc vous le verrez sur la nouvelle, sur le prochain tuto. Aussi que je m'occupe de tourner un ou deux formats courts parce que je les ai pas encore fait, et après on va s'occuper du tuto du mois suivant. Donc là, le mois prochain c'est le mois de juin, ouais. Donc on va s'occuper du tuto du mois de juillet.
Alors, j'ai vaguement vu qu'on vous êtes pas vendu d'unicorne. Bah, dans les médias, je vais le garder pour faire de l'expo, mais après, vu la taille du bordel, il me fait chier chez moi. Il bouffe la place. C'est un monstre le bordel. Il fait. Le duo fait 50-50-50. Et le caisson, la vitrine que j'ai faite, a fait 55 sur 55 sur 62 de haut, il me semble. Encore le caisson, je pense que je le garderai. Enfin, si personne ne va chier, je le vendrai avec, mais moi, je le garderai pour exposer autre chose. Mais que par contre, le caisson, il est pratique enfin, comme en convention, comme ça les gens ne le touchent pas. C'est un duo, j'ai vraiment pas envie que les gens ils y touchent, tu vois. C'est plein de petites choses. Alors, ça, j'ai dit que je le mettais là-dedans. Stocker les. Hop, c'est pas fait pour, mais c'est pas grave, ça servira à ça pour l'instant. Hop! Ceci est un tamis qui aujourd'hui va servir à accueillir des briques. Hop, on défait les briques ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Non, pas. Ton métier est en rapport avec la création ou pas du tout? Pas du tout. Je suis technicien en arroseuse automatique en fontainerie et je suis conducteur d'engins de chantier. Donc, rien à voir. Après, niveau créatif, avant même de faire du duo, je faisais de la musique. Je compose, j'enregistre. Si vous cherchez mon nom, je suis référencé sur Allociné, parce que j'ai déjà composé des bandes originales de web-séries et du court-métrage. J'ai fait un petit peu d'acteur, j'ai fait des pubs pour Caprice des Dieux, une campagne de pub réalisée par des youtubeurs. Parce que du coup, je connais quelques youtubeurs un peu plus connus, style Brice Gaming, par exemple, pour ceux qui connaissent. Avenir fait des vidéos, ça j'ai déjà bossé avec eux. Avec Avenir, avec Dr. Zuzman, j'ai bossé aussi. On a bossé pour Paramount, pour faire des courts-métrages promotionnels pour les Ninja Turtles, le premier qui est sorti, je crois, en 2015, un truc comme ça, je crois. 2015-2016, j'ai plus un truc comme ça. J'ai déjà fait des courts-métrages pour League of Legends avec d'autres youtubeurs. Un truc Resident Evil, un truc pour Ubisoft, pour un jeu Ubisoft Shape Up, un jeu qui se marche avec la Kinect sur la Xbox. Je fais de la vidéo, ça reste dans le domaine artistique. Donc j'ai toujours été un peu dans ce. Enfin, toujours. Ça fait un moment que je suis un peu dans ce domaine-là, on va dire. Mais mon métier n'a aucun rapport avec l'artistique. Bien que ça peut m'arriver d'en faire, puisque bah, dans le cadre du boulot, ça m'arrive d'essayer de faire un peu de photos, un peu de vidéos. Ça m'arrive de devoir travailler des décors pour Noël, mais des décors grands. Mais pas des décors, pas un truc en plus-value qui fait 20 cm, hein, un truc qui va faire 20 mètres de long. Mais oui, ça m'arrive de faire ça, quoi. M'en fous de la taille, tu le vends pas. C'est une tube MMS, une perso. Ah, merci. C'est une de mes plus belles. C'est laquelle la plus belle si c'est pas celle-là alors? En effet, aucun rapport. C'est un don que tu as alors. C'est pas un don, si tu veux. Je sais comment t'expliquer. En fait, ce que je fais, même sur le duo Unicorn, que apparemment vous aimez bien, du moins en tout cas Romain Lutz, c'est pas compliqué en fait à faire. C'est, je veux dire, je sais pas, il me suffit de couper, je mets une règle, je calcule. Après, je dis pas c'est long, hein. Ah, clairement, c'est long, j'ai mis 9 mois à le faire. C'est très très long, ça, je peux pas dire le contraire. Mais la caméra, je sais pas ce qui lui arrive à la caméra. Elle est fatiguée de la vie, je pense, ma caméra. Hop, voilà, on va remettre ça. Remettre à droite, voilà, et j'en étais à où? Que je disais que ouais, c'est comment vous expliquer? Je sais pas, moi, il me suffit de mesurer, de faire le calcul, je passe mon coup de cutter, enfin voilà. C'est pas, je sais pas comment expliquer mon point de vue, ce que je ressens dessus, mais je me vois pas. Alors, je sais plus, attends, c'est quoi le mot utilisé? Don, ouais, donc, où les gens disent des fois, artiste, je vois pas ça comme de l'art ou comme un don, c'est pas. Là, si j'y arrive, tout le monde peut le faire. J'ai rien de plus, tout le monde peut le faire. Mais
En fait, c'est juste de la logique, je réfléchis, je prends des mesures, je calcule, je machin, le truc, enfin voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah si c'est celle-là. Ah bah si, d'accord, encore, d'accord, c'est celle-là. Tu conduis quoi comme engin à ton boulot, pelleteuse? Oh, si tu connais, KCS 1 et 4, j'ai. Donc ça va être mini-pelle, chargeur, dumper, une espèce de, alors, je sais plus comment ça s'appelle, des petits rouleaux compresseurs, les mini-pelles, tous ces trucs-là. Bah après, techniquement, j'utilise pas tout ça. Hein. Moi, je suis principalement sur un chargeur qui a une pelle rétro derrière. 99% du temps, j'utilise ça. Occasionnellement, une mini-pelle. Mais rarement, tout simplement dans le sens où ça me force à la faire livrer sur place. Techniquement, elle nous appartient. Parce que là où je travaille, on a la nôtre. Mais il faut l'emmener dans un véhicule, la descente du véhicule, machin. Alors que le chargeur, je roule, je me barre sur la route avec et je roule avec. Je fais du point A au point B directement avec. Donc je suis 99% du temps avec cette machine-là. Ouais, les caméras, je l'endors. Je la suis soporifique. Le tombeau de la neige était juste sublime. Merci. Moi, on dit souvent que j'ai des mains en or. Voilà. Bah écoute, t'as de la chance. Alors, on va continuer quand même. On va mettre ça là. Donc maintenant, ça là, on les coupe de manière... Bah non, ça on n'a pas en fait. On va couper celle-là. Alors. Je vais faire en deux parce que ça fait beaucoup à la fois. Hop. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre ici. Je me suis pas planté, c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. Allez, on en bat la coupe. Allez, Michel, c'est l'heure de couper. Moi aussi j'ai travaillé dans le TP, mais où je travaillais c'était tous des sous-lots. ouais, ça c'est le problème. Ah bah, moi j'ai autant ça suit plus trop maintenant, mais ouais, j'ai connu l'époque où quand j'ai commencé les gars, je veux dire à 9h30 ils ouvraient la boîte à gants et il y avait le sifflard, le camembert et la bouteille de rouge dans la boîte à gants du camion. J'ai très bien connu cette époque-là. Je fais beaucoup moins maintenant, mais je l'ai connu à l'époque hein, comme ça. Quand tu bosses avec les vieux de la vieille. Ah, ils étaient cool, hein, mais voilà, il y avait ça quoi. Puis alors, pour moi, quelqu'un qui picole pas du tout. Hop, voilà. Voilà. Donc ça. Ah voilà, j'ai encore ça à couper aussi. Hein. Encore celui-là que j'ai pas fait. Quelle heure il est? 23h, d'accord. Tac, 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 tac. Alors, faut que je mette en marche. Sinon ça marchera pas si je mets pas en marche, les gars. Ça me paraît logique, si je mets pas en marche, ça marchera pas. Le fil commence à être un peu trop détendu, on va le resserrer un peu. Hop, hop,
Voilà. Hop, on réaccède, on remet en marche. Ah bah oui, tout de suite c'est mieux. Tac. Non, attends, je finis juste de couper ça et je regarde ce que t'as dit après. J'entends mon téléphone qui arrête pas de vibrer. Je suis sur des groupes de conversation, mais ça arrête pas de parler en fait depuis tout à l'heure. Enfin, j'allais voir ça après. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je travaillais dans une carrière, je conduisais des. Ok, tombereau. Et oui, comme je dis le matin, c'est le sauciphard qui est longue. Ouais, c'est ça. À quelle fréquence fais-tu tes lives? Combien en total pour celui-ci? Combien en total je vais en faire? J'en ai aucune idée. Honnêtement, c'est aléatoire parce que bah, des fois je reste à parler avec vous, donc forcément j'avance moins, donc c'est aléatoire, je peux pas te dire. Après, quand je suis lancé dans un projet, en général, ça va être vendredi soir, samedi soir, possiblement dimanche. Alors là, c'est un long week-end, donc demain soir, je serai là, ça c'est sûr. Là, on est samedi, donc demain dimanche soir, je serai là. Sauf problème, je serai là. Lundi soir, je sais pas. Et après, en semaine, en général, j'en fais pas, parce que bah, je bosse du coup. Donc le matin, c'est quand je suis en live, je me couche tard. Et, après, il faut quand même que je puisse me lever le matin. Donc j'en fais pas trop la semaine. Ou vraiment de façon occasionnelle. Après, des fois, je préviens pas. Hein. Faut vraiment activer la cloche de notification sur Facebook, sur YouTube et suivre ma page Facebook. Ou des fois, bah, je vois un petit message. Je suis pas, voilà, en live dans tant de temps, ce soir live ou en live dans 10 minutes ou machin. Ou simplement, si vous êtes sur Discord, hein, sur Discord, systématiquement, je mets un message avant d'arriver sur live. Je dis, ah, je suis en live dans tant de minutes, machin, bidule. Donc si vous mettez sur Discord, vous recevrez forcément une notification. Et sur Discord, vous pouvez continuer à parler avec moi. C'est-à-dire que je peux réagir sans problème si vous avez des questions à me poser ou si vous parlez entre vous, voilà quoi. Oh, salut Romain, tu vas bien? Le Discord est vachement, vachement, vachement bien pour ça. Donc n'hésitez pas à y aller, quoi. Surtout pour ça. Mais après, ça peut arriver que je lance un live sans vous le dire. Des fois, il suffit que je sache pas que j'ai un moment de toc, toc, bah, toc, je descends, je mets mal à l'atelier, je démarre la caméra et j'envoie le bousin quoi. Tu vendrais combien l'audio avec le RX78? Ça, je sais plus, j'ai fait le calcul du temps que j'avais posté dessus, je sais plus, on était sur une trentaine d'heures, une quarantaine d'heures. Franchement, ouais, 200 balles, un truc comme ça, c'est peut-être. Ce qu'il y a le prix de la figurine, tout le tas de figurines, plus l'audio, là, attends. Ouais, un truc comme ça, je le vendrais 200 balles à peu près. C'est cher. Mais tout le temps que j'ai mis dessus, ouais. C'est le temps que c'est le prix que je le vendrai. Bon après, celui-là, j'ai. Mais Gundam, c'est pas une licence qui vend beaucoup en fait. Senseiya, ouais. Gundam. De toute façon, toutes licences confondues, Senseiya, c'est ce qui vend le plus. Hein. Senseiya, on joue beaucoup sur la nostalgie, avec l'ancienne époque, avec les limites close qu'on avait quand on était gosse machin. Donc il y a cette nostalgie-là qu'il faut que les gens. Beaucoup collectionnent beaucoup plus ça qu'autre chose. Et du coup, bah, ça en vaut beaucoup plus pour de diorama, forcément pour égayer nos collections, quoi. Mais bon, après, ça dépend à qui. Hein. Forcément, quelqu'un que je connais, j'aurai peut-être moins cher, tu vois. Mais ouais, c'est le genre de prix que je le mettrais, je pense. C'est qui me demandait ça, en fait? Ah, Unicorn. Je réfléchis, hein, parce qu'en même temps, tu me demandes ça à froid. Mais ouais, à peu près, je pense. Féminin. À 30 heures de taf, ça fait moins de 10 balles de l'heure, donc c'est même pas le SMIC, tu vois. Donc au final, c'est. Enfin, t'as pigé l'idée, quoi. Demain soir, c'est la dernière journée de. Je regarde le replay. T'as pas de balle, parce que moi, le foot, en plus, je m'en carre l'oignon, mais. Je m'en fouette les couilles sur une enclume en bois.
Donc en plus, ouais, c'est clair que c'est pas moi qui vais faire qui vais reculer un duo parce qu'il y a un match de foot. Si tu savais, quand il y a la finale de Coupe du Monde de foot, moi je la regarde pas, je m'en fous total, mais même à ce point-là, c'est que genre, je suis en vacances, peut-être que je me dirais, je vais à la plage, je sais qu'à la plage ce jour-là, t'as personne. Je suis peinard sur la plage. Hop. T'inquiète, la musique c'est un tas, ils font chier YouTube avec ça. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Je veux ma musique. Voilà. Corn, shoot and leaders. Leaders, pas leaders, leaders. Hop, hop. Je repense au coût du Gundam, rien que le Gundam en lui-même, on a pour 30 euros. Bon, le coût des fournitures, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais c'est le temps de travail entre le repaint de la figurine, le coût de la figurine et le temps de travail sur l'ensemble. Ouais. Pour moi, ça coûte plus cher qu'un Diorama Sensia, quoi. Que le... pour moi, c'est plus. Celui du Diorama Sensia qu'on a fait en live, par exemple, le mois dernier. C'est quelque chose de simple par rapport au Gundam. Le Gundam, c'est plus poussé comme travail, si tu veux. Donc pour moi, ça coûte plus cher que ça là-bas, quoi. Je dis là-bas parce que même s'il est vendu, techniquement, il est toujours devant moi, en fait. Parce que je ne l'ai pas encore expédié. Tout simplement, c'est pour ça. Donc techniquement, il est là-bas, il est posé. Il est sur la mallette de peinture, pour être précis. Il est posé dessus. Mais en fait, je m'en suis servi aujourd'hui pour tourner la nouvelle intro de la chaîne YouTube. Alors voilà, les dalles sont faites les gars, les dalles sont prêtes. Ça là on s'en fout poubelle parce que je pense qu'on a largement assez. Puis j'en referai, mais non, il n'y a pas de raison que je sois en rade. Hop, donc voilà, là on a toutes nos dalles, donc comment tailler sur le nombre d'or. Et ton dernier, tu l'as vendu combien? Merde, bonne question. Frais de port compris 150. Ouais, 150. Frais de port compris. Après, j'avoue que j'ai sondé hein, pour avoir le prix. Hein, parce que j'ai beaucoup de mal et m'évaluer. C'est comme pour le duo. Le duo hein, parce que, force y réfléchir, j'avais déjà sondé les prix à l'époque. Et c'est les prix qu'on m'avait donné à peu près. Pour le Sensei, c'est raccord avec les prix qu'on m'avait estimé aussi. Donc, je me suis beaucoup calé sur ça. Hein. Alors de quoi ça dépend de quoi tu parles de 200 euros. Pareil, j'ai fait le calcul sur le duo Senseiya au prix du SMIC, ça me ramène moins que le SMIC en soi. C'est cher, hein, c'est clairement c'est cher. Pour du policier comme dirait l'autre, c'est cher. Mais le temps de travail, mais pas, si on prend pour un tas du temps de travail, c'est pas cher en fait. Vous voyez l'idée que je veux vous dire. C'est cher et ça ne l'est pas. C'est les deux à la fois en fait. Hop. Par contre, voilà, je vais pas être du genre. C'est pas parce que je suis sur YouTube que je le fais sur YouTube que ça va coûter plus cher ou moins. Voilà, c'est pas mon délire du tout. Hop. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ah, bah oui, c'était toi qui me l'avais demandé. Ah si, c'est toi Unicorn Oblique qui voulait me l'acheter, je crois. Oh, ah, je sais plus si c'est toi Gabriel Valero. Je sais plus, vous n'êtes pas tous le même pseudo. Si en plus, si c'est toi Valero, c'est toi. Enfin Valero, si tu prononces comme ça, parce que pour moi c'est Valero comme la peinture. Mais si c'est toi, je crois, il me semble. Oh putain, oh la vache, j'ai tout. Oh là là, j'ai tous les messages que j'ai à dire, ma gueule. Oh là là. Et la conversation, elle a tourné les gars sans moi. Oh là là, truc de bâtard. Moi, j'irai voir après. Trop longue. Ah oui, on est peut-être 200-300 messages à lire, mais... Oh là là. Tac, voilà. Bon, je vais poser ça. Déjà, je vais la débrancher. Au niveau coupe, ça va être bon pour ce soir. Sinon, là, on va faire que papoter. Là, j'ai fini de bosser pour ce soir. Je sens que je commençais à fatiguer et que... Si, ok, d'accord. Je me rappelle plus si on avait causé ta roue ensemble. Je me rappelle plus du tout. Ça, c'est ce que j'ai vendu. Je m'en peux plus. Oh, je vais la ressortir, histoire d'avoir. Je la montre pas, mais moi je la regarde entre nous.
T'es où toi? Là. Alors tu dis Valéjo ou Valero, comme la marque de peinture? Ah bah si, moi, oui, d'accord, ok. J'ai perdu la conversation. Salut mon Jax, tu vas bien monsieur? Ah, ça se trouve, t'es déjà parti parce que j'ai dû mettre 3 heures dans le message et le recevoir, mais oui. Si, si, c'est moi qui t'avais demandé. Et tu vends à qui? À qui des gens que tu connais ou autre? Pour celui-là, c'est quelqu'un que je connais qui me l'a demandé, de toute façon. Donc voilà. Après, ce serait quelqu'un que je connais pas, ce serait pareil, hein. J'en ai déjà fait des vidéos pour les gens que je connais pas. Après, je vends rarement, c'est exceptionnel, hein. Les gens me commandent pas d'audio. Mais depuis, j'ai fait deux CNCA, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont demandé, mais qui trouvent ça un peu cher. En même temps, ça peut être logique, hein. Les gens n'ont pas tous les mêmes moyens. Donc, je respecte très bien ça, hein, pas de souci. Hein, j'ai conscience qu'acheter un diorama comme ça coûte de l'argent, que c'est une somme. Et même moi, je m'achète déjà pas une figurine à 40 balles, alors un diorama à 200 balles, c'est même pas la peine d'y penser. Où je voulais en venir, je ne sais plus. Où je voulais en venir. Non, je le mange au cam. Bah, cool, mon Jax. Mon Jax, si tu veux venir papoter, connecte-toi sur le Discord. Il y a le chat vocal qui est activé si tu veux papoter en live. Sans forcément mettre ta caméra, mais juste du vocal. Hola Master, salut toi. Salut Iki, tu vas bien? Attends, je passe en dessous pour voir. Iki cassé, d'accord. C'est les yeux qui commencent à fatiguer. Gabs, tu vas bien, mon poulet. Ça va bien. Je vais boire un coup. Je vais poser la planche, la plaque, la machine. Et je vais ramener le dos en train de sécher. Je vais le poser là. Hop! Je vais pas la mettre trop loin parce que ça servira certainement demain. Mais voilà, alors ça, on le pousse et pour l'instant ça prend de la place. Ça, on le pousse, ça prend de la place. Ça peut rester là. Ça, pour l'instant, je le retire, je vais le mettre ici. Hop! Et je vais chercher ce qu'on a fait en début de session. Bon, en même temps, c'est pas compliqué ce qu'on a fait en début de session. Mais je vais le chercher quand même. Voilà. Tac. Alors, on va. J'avais fait comment tout à l'heure? J'avais fait ça. Hop. Ah oui, il est là, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Je vais verrouiller le truc ici. Voilà. Non, c'est. Ah, oh, mais il me fait chier, pourquoi est-ce que tu peux jamais tenir, toi? Faut vraiment que je. Ben non, c'est parce qu'il faut vraiment que je l'emmène dans l'autre sens, en fait, c'est pour ça. Ok, faut que je l'emmène comme ça, pour que la force s'exerce dans ce sens-là, et là, ça tombera pas. Voilà. Alors. Bon, je laisse, je fatigue trop, bonne nuit. Ben, bonne nuit, monsieur Ludo, bonne nuit. Avec la vérité, avec la vente, je t'ai dit, oh, tu vas t'acheter des fournitures. Bah, de toute façon, si je vends quelque chose, ça sera pour. Ce sera là. Même si officiellement, Coco n'est pas déclaré. Ça sera pour la chaîne, oui, ça c'est sûr. À moins que ma femme mette le grappin dessus. C'est autre chose. Mais sinon, ça restera pour la chaîne. Ouais. Non, c'est gentil, je ne reste pas longtemps. Je vais geeker Resident Evil. non, pour l'instant, la chaîne n'étant pas suffisante. Après, je sais que je vais bientôt pouvoir la monétiser, la chaîne. J'y suis presque. Donc, quand je pourrai, je le ferai honnêtement. Alors, vous aurez des pubs en début. C'est vrai. Alors, je suis conscient, c'est un peu trop lourd, mais je les ferai pourquoi? Parce que faut quand même que je puisse faire tourner la chose. Parce que des fois, il y a des choses que j'aimerais bien acheter pour les montrer, pour les tester en vidéo, machin. Mais je le fais pas parce que ça coûte de l'argent. Donc, voilà. Mais après, ça, je sais pas si ça va se faire facilement ou pas. Parce que. Monétiser la chaîne, ça veut dire que faut que je déclare Coco Déco officiellement en tant qu'en micro-entreprise.
Donc je vais avoir des procédures. Après, je peux faire sans problème. Hein. Moi aussi, je t'aime, mon poulet. Mais ça voudrait dire déclarer la chaîne en tant que micro-entreprise. Donc, il peut aller à impôts, tout le tralala. Donc, il faut que j'apprenne un peu comment ça fonctionne. C'est un domaine que je ne connais pas. Bon, après, voilà, ma mère, c'est son taf, ce genre de choses. Donc, je sais que je pourrais être entouré sans problème. Mais ça, voilà, c'est. Sachez qu'à un jour ou l'autre, vous aurez de la pub. Et que bah, c'est pour ça, en fait. C'est pour pouvoir. Ouais, pardon, tout bêtement, oui. J'ai acheté. Alors, j'ai acheté au début du confinement, le premier confinement. Mais voilà, j'ai ça qu'on va tester. Des peintures marbrées pour essayer de faire un effet marbre. Je ne sais pas si ça fait bien. Je ferai un test directement en vidéo. On verra bien si c'est bien adapté, si on peut retravailler, machin, bidule. Et ça, genre de choses, bah, je le fais traîner au max pour avoir un truc plus tard à bosser. Mais sinon, j'achèterai des fois plein de produits à tester, à machin. Je ferai ça. Ou des fois, un truc con. Par exemple, pour la chaîne, j'achèterais bien une. Comment on appelle ça? Une table de bistrot. Tu sais, c'est une table, mais il faut pas que tu restes debout devant la table, en fait. Que je poserais, c'est pour poser l'ordinateur pour faire des lives. Parce qu'en réalité, quand je fais pas le live là, mais quand je fais live debout, quand j'ai ce tuto et qu'on fait que parler, ce que vous voyez pas, c'est que l'ordinateur, tout ça, c'est posé sur un empilement de tiroirs, de plaques de bois, de vieux meubles à chaussures avec une plaque en polystyrène par-dessus. Hein. C'est des trucs bang-ballant. Donc j'aimerais bien, on va acheter une table, simplement une vraie table à hall, que je puisse garder à peu près la même hauteur, machin. Ce genre de choses, tu vois, il faudrait que j'achète un nouveau trépied de caméra, parce que c'est un vieux trépied qui a 10 ans et qui est fatigué à mort, que j'ai. J'ai plein de petits frais qu'il faudrait que je fasse, mais que je ne fais pas. Par exemple, ce serait ce que ça, vous voyez les lumières là, qui éclairent là. Là, elles sont bien, mais éclairent bien. Mais en réalité, elles sont reloues à mort, ces lumières, parce que ça. Bah, faut que la structure prenne la place, mais rien, c'est là, faut que je les excuse, faut que je fasse attention à ne pas les taper, machin. Et j'aimerais bien racheter les deux mêmes, que je fixerai directement au plafond pour éclairer constamment ça. Et c'est de là les remettre en place devant le. Parce que je les retire à chaque fois de là où je me filme. Pour les mettre là. Donc je les laisserai là-bas. De façon à libérer totalement l'espace. Et pour pouvoir être constamment éclairé avec une belle lumière. Parce que ça, c'est bien pour quand je fais du travail de précision. Mais pour la vidéo, c'est mort. Parce que ça vous cache systématiquement la vue. Donc c'est compliqué. Et en plus, quand on est en live, ça fait des lumières qui scintillent. C'est pas les mêmes types de lumière. Donc c'est compliqué. Donc c'est clair que ça, je pourrais peut-être faire ce genre de choses. Si je monétise la chaîne. Et je sais qu'on n'en est pas loin en termes de. Il y a des conditions à remplir sur YouTube. Et on n'en est pas loin. Je pense qu'on va l'atteindre d'ici peut-être un mois, 2 mois, un truc comme ça, je pense. Après, le processus pour que ça fasse, je ne sais pas comment. Après, ce sera pas un truc de ouf. Hein. YouTube me l'estime à l'argent que ça rapporterait. Je pense qu'on serait entre 10 et 20 balles par mois, une connerie comme ça. Et déjà, 10 et 20 balles par mois, ça serait déjà énorme. Hein. Déjà, la chaîne ne rapporte pas autant déjà par mois. Donc voilà. Tu comptes démarcher pour avoir des partenaires. J'ai tenté une fois. En fait, les lives Gundam, j'avais contacté un magasin. J'en citerai pas le nom, parce que ça se fait pas. Pour leur dire, voilà, si vous voulez, j'ai prévu, je vais faire une série de lives. Si vous voulez, je vous propose, vous me fournissez la figurine. Donc celle-là, figurine, une figurine à 30 euros. Vous me la fournissez. Et moi, on échange systématiquement dans tous les lives. Donc, je vous cite. Ah, moustique, tiens. Je vous cite, je mets un logo, comme là, vous avez mon logo Cocosser, mais là, qui est juste là. Là où vous avez Discord et compagnie. Mais je mets votre logo systématiquement. Je parlerai de vous à chaque fois, machin bidule. Et on m'a dit, ah, ouais, écoute, ça peut être sympa et tout, machin bidule. Vas-y, bah, parlons avec en gros, le responsable de ça, quoi. Et je lui en parle, et le mec n'a jamais donné suite. Je n'hésitais pas à s'intéresser. Et je pense que c'est dû au fait. Tout, après, c'est logique pour eux. Putain, de moustique. Je leur en veux pas. Hein. Je cite pas par politesse, tu vois. J'ai pas envie qu'on ait des emmerdés, tu vois. Ce qu'après, ça se comprend, c'est que pour eux, c'est du business. Donc, si pour eux, tu touches pas assez de monde, ça les intéresse pas. Et je ne touche pas. Je ne pense pas à toucher assez de monde. Hein. Voilà. Je veux dire, là, j'ai regardé, par exemple, la vidéo que j'ai postée. Mercredi, depuis mercredi, donc en 4 jours, elle a fait quoi? 230 vues, un truc comme ça. Ce qui n'est pas violent en réalité. Ça touche pas. Tu mets trop près de la cam. Ah oui, j'ai ma tête trop près de la cam. D'accord, excuse-moi. Voilà, hop, et voilà, comme ça tu verras plus ma tête. Comment? Je touche pas énormément de monde, donc c'est pas intéressant pour eux. Mais c'est la logique en fait. Moi je vois ça de leur côté,
Je la remplis pas parce que ouais, ça me paraît logique. Parce qu'il faut que ce soit un minimum. Bon, après, c'est que 30 balles, j'ai envie de dire. Mais il faut que ce soit intéressant pour les deux. Si c'est intéressant que pour moi et pas pour eux, voilà. Donc je peux comprendre, tu vois, parce que ça reste pour eux, c'est du commerce. Pour moi, c'est une passion. C'est un truc que j'aime faire. Je cherche pas à en vivre, hein, parce que j'en vivrai jamais. C'est clairement pas. Une chaîne comme ça, elle n'est pas adaptée pour vivre de YouTube. Hein. Je pourrais faire un autre contenu si je voulais en vivre. Et ça voudrait dire c'est lâcher mon boulot. Donc. Alors que eux. C'est leur taf. Putain de moustique qui me tourne autour. Hein. Donc après j'aimerais bien. Hein. Je dis pas. Hein. Moi je kifferais avoir un partenaire qui me propose soit des défis qui me permettent d'avoir des beaux thèmes à travailler ou simplement du matos pour bosser qu'on puisse mettre en avant. Je kifferais. Hein. C'est clair. Hein. Mais dans les médias, moi j'ai jamais été démarché. J'ai déjà proposé, mais parce que c'était un pote, j'ai eu vite fait un. Mis en avant avec un code promotionnel d'une boutique de figurines, tout ça, c'est déjà arrivé. Mais ça, c'est parce que c'était un pote et non parce que voilà. Après, j'ai déjà reçu une fois ou deux quelques cadeaux comme ça, mais ça m'a jamais demandé de. Pour un partenariat, j'ai reçu un cadeau, je les montre en vidéo, j'avais reçu une BD une fois, je l'avais montré en vidéo, je sais plus ce que j'avais deux, trois fois, quoi. Mais c'est tout. Vraiment partenariat, non. Après, ce que j'appelle le partenariat Amazon partenariat Amazon, c'est pas c'est un partenariat si tu veux. Mais eux font pas la démarche vers moi, c'est moi qui l'a fait, tout le monde peut le faire en réalité. Hein. C'est n'importe quel pèlerin peut le faire sans problème. C'est juste qu'après, c'est juste un formulaire à remplir. Et c'est juste qu'après, YouTube, Amazon par contre viennent checker que ce que tu mets à vendre dans tes liens Amazon qui rapporte de l'argent. C'est quelque chose qui est en rapport avec ton contenu. Après, si tu achètes autre chose, tu achètes autre chose, tu achètes quand même. Mais il faut que moi, ce que je propose, soit en rapport avec la chaîne. Donc, ils vérifient. Puis bon, je pense que quand tu commences à proposer du Amazon, il faut avoir le cul propre de toute façon. Donc voilà quoi. Parce qu'eux, ils te le prennent pas. Ils te le prennent pas si tu n'as pas le cul propre. Donc voilà. Si une entreprise, un magasin, n'importe qui veut me proposer un partenariat, je suis partant 100%. Mais dans les médias, c'est pas arrivé. Et je comprends très bien que ça n'arrive pas encore. Et que je reprends ma bouteille de coca parce que j'ai soif. Putain, c'est la première fois que j'ai une discussion aussi sérieuse, les gars. Ah! Il y a quelqu'un sur le chat vocal, j'ai l'impression. Attends. Alors, je vais couper ma zic. Alors. Non, j'ai dit couper la zic. Voilà. Si? Oui ou non? Je me trompe peut-être? Il y a quelqu'un ici? Ah bah non. J'y arrivais. Hop. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah bah non, il n'y a pas d'autres questions. Mais ouais, voilà, c'est. J'espère que ma réponse te convient, Unicorn. Il y a G qui est connecté sur le Discord vocal, mais ça ne parle pas. Après, c'est peut-être normal. Amar, ça me dit qu'il n'a pas de micro en même temps. Peut-être pour ça. Il ne parle pas. Hop. Général, c'est quoi ça? Toc toc. Salut G. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Salut monsieur, il va bien? Alors, c'est quelqu'un que je connais ou pas? Ah, d'accord, ok. Alors, entre les 50 pseudos que je peux voir, je suis totalement perdu. Va bien, monsieur, tranquille. Ah, attends, faut que je quitte. Eh ouais. Attends, je vais peut-être monter un peu plus sur le volume pour mieux t'entendre. Et peut-être que les autres puissent entendre. Hop. Alors, quoi de neuf, monsieur? Bah écoute, c'est le week-end, donc je venais voir un petit peu tes lives. Moi, tu vois, aujourd'hui, c'était découpe de dalles et de briques aujourd'hui. Après, là, faut j'attends que ça, faut que ça sèche quand même. J'ai pas envie de trop forcer dessus. Mais on va s'amuser. Ah, j'ai entendu une troisième voix. Ah, Stéphane Roxo nous a rejoint. Enfin, je crois, mais ça parle plus. Ça parle pas. Ah, il est parti. Ah, puis il y a Youpi Jury, c'est là. Ah, si, Youpi Jury, c'est revenu. Non, Ah, je qui vais parle. changer mon blast comme ça tu seras plus. Ah, c'est revenu. Donc ouais, alors oui, j'en profitais pour rappeler, parce que tout le monde n'était peut-être pas là au début. Donc ça va être un diorama Athéna exclamation. Donc au milieu, on va mettre une boule. Je vais la reprendre, je vais vous la remontrer pour ceux qui ne l'ont pas vue.
On va mettre ceci. Tac. Hop, je vais réorienter la caméra. Tac. Voilà. On va avoir une belle boule en... C'est du plexiglas, hein, je pense, tout bêtement, c'est du plastoc. Hein. C'est une grosse boule de Noël, hein, pour simplifier, que j'ai acheté chez Cultura. On va mettre ça avec des effets de lumière dedans. Et encore... Eh, mais il me casse les couilles, ce moustique. La vache. Il casse. Ah, putain, il pique. Nique sa maman. On va mettre des belles colonnes qui vont exploser, qui vont partir en miettes dans tous les sens, machin, bidule. Un dallage qui va exploser, des briques qui vont voler, qui vont se barrer, tout ça. Avec facilement les persos là. Après, le truc à faire qu'on pense au prochain live, ça sera au niveau placement, c'est de voir si je peux caser 3 figurines. Et en fonction de leur emplacement, que ça ne gêne pas. Ou que je pense l'emplacement des colonnes, en fonction de ça. Et après, en fonction de la place qui va nous rester. Parce que ça, après, ça va dépendre de l'agencement du bordel. Peut-être modeler en pâte à modeler l'effet de fumée qui sera autour de la cette boule d'énergie pour encore donner plus d'impact visuel sur l'énergie, sur le côté vivant du diorama en fait. Gidio, d'accord, t'as changé ton pseudo là, je le vois. Yes. Yo, t'as quel âge? T'as voir, on dirait que t'es jeune. 45. Ah bah non, excuse-moi, t'es un vieux crouton alors. Excuse-moi, désolé, je crois que j'ai envie de te dire toutes mes condoléances du coup. Oh merde. Obi Unicorn, il me dit oui, parfait. Bah écoute, c'est cool. Tac. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais récupérer mes dalles. Hop. Donc voilà, on va placer quelques dalles histoire de dire que, même si finalement je les retirerai parce qu'il faudra que je les texture toutes. Mais dans le principe, on va en placer quelques-unes. Je vais retirer les briques parce que les briques elles vont pas tenir toutes seules. Hop. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, mon petit Youpi? Bah écoute, pas grand-chose. Pareil, je suis sur pas mal de vidéos en ce moment, donc ça s'est occupé. Ouais. Et Youpi, c'est un surnom, je suppose. Bah oui, bah, tu l'as vu sur YouTube, c'est Sylvain. Oui, ah oui, c'est ça. Et ça vient, donc ça vient d'où, Youpi? Ça vient d'un jeu vidéo en ligne, il y a une nana qui m'avait fait chier, elle avait changé de nom sur Facebook. D'accord. Si je te jure, moi, à chaque fois que je vois ce pseudo Youpi Juris, je peux pas m'empêcher de penser à un Rouskov. Je te jure, j'ai l'image du avec le bel accent russe et tout, je sais pas pourquoi, j'ai toujours ça en tête. Je te jure, je sais pas pourquoi, non, mais ouais. En plus, tu me connais, on s'est rencontré à Japan Expo il y a 2 ans quand t'avais fait des tutos à la Japan Expo. Pas à la Japan Expo, à la. Si, c'était à la Japan Expo, je suis con. T'avais fait des tutos de sculpte sur plusieurs dios. Alors attends. Je te cache pas, hein, je rencontre tellement de monde que. J'ai du mal à me rappeler. C'était une Japan Expo. C'était sur notre stand ou c'était juste dans les allées de la convention? Ah, sur ton stand. Ok. Et là, on avait un stand où d'un côté, on montrait ce qu'on faisait, de l'autre côté, on pouvait créer avec les gens. On avait fait plusieurs duos avec un phasage pour expliquer aux gens. Ah oui, oui, le même duo en plusieurs étapes. Oui, exactement. Ok, en l'occurrence, c'était Jack Zio. Ouais. Alors c'était Jack Zio qui l'avait fait, ça c'était pas moi celui-là. Ok d'accord, oui c'est bon, je remets. Oh putain, mais je remets, pourquoi c'est en convention, je vois tellement de gens que au bout d'un moment je confonds à mort en fait, tous les gens que je vois. C'est un truc de ouf, si tu savais. Tac, et du coup tu reviens en convention les prochaines fois? Bah, ça va réouvrir, ouais. Oui, ça, j'avoue. C'est la question qui fâche. C'est quand ça va réouvrir. Là. Alors attends, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Désolé, j'ai pas trouvé le bouton pour parler. Mais c'est pas synchro avec YouTube. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. YouTube, il a beaucoup de retard en fait. Hein. Souvent, je vois vos commentaires, je les vois arriver genre une minute après, quoi, des fois. On entend. Pas trop Discord, d'accord, alors attends, je vais monter le volume de Discord alors. Vas-y, dis-moi quelque chose, Youpi. Bah,
Ta mère? Ah, voilà. Alors, ce que vous avez entendu, cette superbe insulte, les enfants. Hop, tac, tac. Voilà. Bon, après, je vais pas passer toutes les dalles parce que ça sert à rien, je vais les retirer, mais voilà. Dans le principe, on a un dallage bien carré. Donc, pour changer un peu, de l'autre fois, on était que sur le mordant. Et là, pareil, on fera donc une belle. Ou sur les mêmes dimensions que l'audio. Belle partie bien plate ici. On refait un peu le petit décroché comme on l'avait fait au-dessus. Et nos briques, nos briques, nos briques. Et après, en fonction de est-ce que je mettrai mes colonnes là ou plus par ici. Je sais pas. Dans l'idéal, j'aimerais bien les mettre là. Mais il faut pas que mes colonnes gênent le placement des trois. Des comment des trois. Des trois cinq quoi, en fait. Marche, je peux les mettre plus par ici. Mais ouais, faut vraiment faut vraiment potasser ça. Pour savoir comment placer ça. Parce que j'aimerais ne pas avoir à réduire l'épaisseur en fait des colonnes. Parce que c'est justement ce grand rayon qui nous donne cette impression de grandeur du duo. Parce que c'est toujours des endroits assez grandioses. Donc voilà. Remets-toi en peu. Ah d'accord, ok, ça c'est toi qui m'expliques comment faire. Donc on va vraiment essayer de travailler ça, mais ça on verra ça demain parce que je joue au Castor 6, j'ai plus. Là je commence à fatiguer, donc là je papote, mais je ne bosserai plus ce soir. Là, apparemment vous êtes toujours là, donc c'est que ça vous plaît toujours, même si je papote. Donc voilà, ça, comme je le répète pour ceux qui n'ont pas vu, la boule, elle sera rétroéclairée par l'intérieur. D'où le mot rétroéclairé d'ailleurs. Par un système de LED à bande, c'est des bandes LED. Je vais les sortir, elles sont juste là d'ailleurs. Enfin, je crois qu'elles sont juste là de mémoire. Normalement, elles sont pas loin. Normalement. J'ai bien dit normalement. Et qui j'en ai foutu? Elles sont pas loin, je les avais tout à l'heure. Hé, Robert, je les ai rangées les trucs là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hey, je suis un champion, les gars. Je m'en suis servi tout à l'heure et je la retrouve déjà plus. Qu'est-ce que j'ai pu faire de ça? Bah alors, c'est la meilleure, ça. Bon, pas grave, je la sortirai la prochaine fois. Donc, système de LED qui fonctionnera en USB. Je rappelle que LED ne chauffe pas, donc on peut la mettre là-dessous sans problème. Ça fera pas fondre le polystyrène, ça fera pas fondre le plastique. Et ce qu'on fera, c'est que pour donner une belle couleur à notre sphère, parce que ça va donner une belle couleur, on verra pas en soi la bande LED à travers, on va la poncer à l'intérieur et à l'extérieur. Le fait de la poncer va rendre la lumière diffuse, on ne sentira pas les LED en fait, là, on ne sentira pas le point de lumière derrière, on verra juste une boule lumineuse. Et le fait de la poncer va nous offrir une accroche pour la peinture, et on utilisera des peintures assez translucides. Pour teinter notre parce que ça elle sera blanche du coup la boule. Donc pour teinter notre blanc et du coup faire une lumière bah je sais pas moi rose, violet, bleu, jaune, ce qu'on veut quoi. C'est comme ça qu'on va faire. Et le fait que sur cette bande LED il y a ce qu'ils appellent le fade, cette espèce de fondu, c'est que la lumière en fait elle change, normalement on fait plein de couleurs différentes. Le fait de mettre ça à l'intérieur d'une boule qui sera déjà colorée, on aura l'impression que la lumière bouge en fait. Donc on va jouer sur ça pour donner un peu plus de dynamisme encore à la chose. Et après, on verra est-ce que j'aurai assez de bandes LED pour éclairer l'intérieur plus éclairer un petit peu en dessous quelques dalles, quelques jointures. Je ne sais pas, on verra bien. J'ai peur que non, mais on fera un test. Hein, on verra bien comment ça va donner. Et puis voilà. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça l'idée générale du bordel. Donc, ce qu'on va voir pendant quelques duos, quelques live, même si je ne sais pas du tout combien on va en faire. De ce côté-là. Je ne saurais lire. Mais voilà. Et alors, on va voir encore si encore du monde. On n'entend pas trop Discord. Ah, du coup, est-ce que vous entendez du Discord, du coup, d'ailleurs? On va voir si vous avez encore quelque chose à dire ou pas. Que ce soit Sylvain ou que ce soit vous sur le chat. Après, si vous ne parlez pas, mettre à fond au live, ça c'est sûr. Prendre mon téléphone pour regarder l'heure qu'il est. Il est 23h30. Oui, tout. Ouais, c'est clair, il y a des taux, mais. Oh, je crois que.
C'est encore l'émission. Il est tôt, mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je sais que je suis assez fatigué pour le fait que si je continue à bosser, je vais faire de la merde. C'est pour ça que j'arrête de bosser du coup. Parce que bosser en étant fatigué, eh bah c'est pas la meilleure idée, ça fait caca, ça fait beaucoup cacapote. On fait de la merde, enfin du moins, en tout cas, je fais de la merde en étant fatigué. Est-ce que mine de rien, ça a pas l'air, Sylvain. Merde, je vais bouger la caméra. Mais le fait de devoir quasiment parler en boucle, en boucle, en boucle, mine de rien, c'est fatigant, je te jure. C'est fatigant, c'est un truc de ouf. Ouais, je veux bien le croire, ouais. Un projet qui tient la route. Bah, on verra bien jusqu'à la fin, hein, Julien. S'il a tenu la route, j'espère bien. J'ai l'idée à peu près de ce que je veux faire, donc. Niveau structure en soi, je sais que ce que j'ai en tête, ça va le faire sans problème. Mais après, c'est le rendu avec la lumière où je suis un peu moins serein dans le sens où j'ai jamais testé la télé exclamation. Oh, si, la télé exclamation. Donc on verra bien. Après, la technique de, comme j'ai dit, le fait de poncer, machin, peindre, je l'ai déjà fait. Donc je sais que ça marche. Mais je ne l'ai jamais fait sous forme de boule d'énergie. Je l'avais fait une fois sur le gros duo Namek. Pour ceux qui l'ont vu, il est sur Insta. Et pour ceux qui l'ont vu en photo ou en vrai, le gros freezer en mode 100% de sa puissance avec la lumière violette derrière, c'est ça que j'ai fait en fait. J'avais poncé une plaque en plexi et je l'ai peinte en violette. J'ai mis une peinture translucide violette par-dessus. Et en mettant la lumière, bah, on ressent cette lumière violette derrière la roche qui donne cette puissance au personnage en fait. Donc voilà, je suis. Pour la structure, je suis serein sans problème. Mais mis à part peut-être souci juste de comment bien disposer bien ma colonne. Même si j'aimerais bien les mettre vraiment sur les techos. Bien que, quand j'y réfléchis, peut-être pas trop parce qu'il faut. Vu que l'énergie va aller par là, les colonnes vont partir dans ce sens-là. Donc il faut peut-être que je les ramène un poil par ici pour j'ai la place de bien mouvoir mes bouts de colonne par là-bas. Bon, on verra bien, on va voir que je vois comment je vais passer. Mais ouais, je vais peut-être pouvoir faire ça, du coup, ce qui permettrait de pas galérer niveau place. Ouais, avec des beaux morceaux de dalle qui partent, qui commencent à se soulever tout par là. Ouais, par contre, à mon avis, je pense que ça va être limité pour le sculpte de la fumée, je sais pas. En fond, le figurine, on va prendre ça. Ah, remarque, peut-être une bandelette là. Si, peut-être jouable, ouais, peut-être j'y arrive. Bon, je dis beaucoup de choses et son contraire hein, dans les phrases, mais c'est normal, faut pas vous inquiéter, les gars. C'est tout à fait normal. Et tu vas poncer les deux côtés, Bobo? Poncer les deux côtés, qu'est-ce que tu as de la boule, oui. Ouais, les deux côtés, pourquoi déjà? Ben en fait, parce que tu m'avais expliqué cette la technique-là pour un éclairage indirect pour de la lave. Ouais. Et j'ai poncé les deux côtés, j'ai refait un test avec un seul côté. Ouais. Et ponçage un seul côté, c'était mieux. C'était. Ah, peut-être la lumière était plus forte, peut-être? Un petit peu plus forte, moins diffus, mais en même temps, ça faisait plus de luminosité. Ouais. Passons l'idéal, si je réfléchis bien les deux côtés. Ouais, c'est vrai que les deux côtés, ça sert à rien de toute façon. Le dessus, parce qu'il faut que faut que ça me fasse une accroche. Et qu'il faut que la peinture colorée soit par-dessus, pas en dessous le bleu. Donc ouais, faut juste que je pose le dessus, pas le dessous. C'est vrai, ça, pourquoi je partais pour le faire des deux À côtés? essayer. Ouais, non, mais c'est vrai, pourquoi je pars du principe que je veux le faire des deux côtés? Ça sert à rien, maintenant que tu me le dis. Pourquoi j'ai pensé à ça, moi, je suis teubé. Ou alors est-ce que j'ai eu une autre idée en tête à un moment qui m'a fait basculer là-dessus? Mais non, c'est vrai que juste le dessus, ça suffit. Puisqu'après, c'est ça qui va me faire mon accroche. C'est la même chose qui va me diffuser ma lumière. Donc, ouais. Il faut juste qu'à l'intérieur de la boule, je mette un petit support qui permette de mettre un peu dans la bonne forme, bonne position, toutes les LED qu'elles éclairent bien vers l'extérieur et dans l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'aussi la surface au sol, en dessous la boule, je vais la recouvrir de papier aluminium pour que le maximum de lumière qui tombe au sol reparte vers le haut. Pour faire un maximum de miroir, pour gagner un maximum de luminosité. Après, est-ce que revernir en brillant par-dessus la peinture, est-ce que ça donnerait du peps à ma lumière? Je sais pas. Je réfléchis à ça, c'est une bonne question. Je vois ça. Est-ce que le fait de vernir un coup brillant pourrait donner du peps en plus à ma lumière? Pardon, une fois que c'est poncé et que la Radis. peinture est faite. Comment? Radis.
Ouais, non, là, c'est vraiment. Faut que je réfléchisse à ça. Est-ce que ça serait vraiment utile ou pas? Là, c'est ça, c'est une question de réfection. Que le brillant, tu vas le voir surtout quand ce sera pas éclairé. Ouais, je pense, ouais, c'est fort possible. C'est pas le premier. Attends. C'est pas ta première sphère énergie. Une sphère, excuse-moi, ok, oui. J'ai déjà. Non, dans la sphère d'énergie, j'ai jamais fait ça. J'ai déjà fait des explosions, rétroéclairées avec la ouate, le coton, tout ça. Mais une sphère avec ça, non, j'ai jamais fait. Il faut vite fait, comme si une plaque de plexi derrière de la roche avec un freezer, mais jamais une grosse sphère comme ça, qui va représenter une grosse boule d'énergie, parce que là, il faudra vraiment que je fasse des effets de couleur, de peinture à l'aéro par-dessus, que j'ai jamais eu, que j'ai jamais fait encore. Donc bon, là, ça, je considère ça comme une première. Donc ça me permettra de tester ça devant vous. Mais non, 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 parce que non, j'ai jamais fait ça d'autre. Les explosions en watts, j'en ai fait quoi? J'en ai fait deux. Ouais, j'en ai fait deux. Non, trois. J'ai celle-là. J'ai fait celle du Halo avec la Xbox qui explose. Et j'ai fait un vieux Star Wars à l'époque. Je l'ai plus d'ailleurs. Je l'ai détruit des corps là. J'ai récupéré des pièces. Je l'ai recyclé. J'ai fait trois explosions comme ça. Mais non, on effet d'énergie, jamais. J'ai déjà pensé plusieurs fois en faire, mais j'ai jamais fait. Parce que pareil, après, quand on fait un duo, bah, faut avoir un but. Donc là, pour coup, mon but, c'est vous, hein, c'est YouTube, parce que quand sur YouTube, je le ferai pas, je le ferai pas. Mais voilà. Donc, c'est grâce à vous que je le fais, en fait. Putain, faut que je me gratte. Toc. Et on reboit un coup, parce qu'à force de parler, on a la gorge bien sèche. C'est une boule de feu ou non? Non, c'est pas une boule de feu. Le feu, c'est. J'ai envie de dire, c'est quasiment le truc le plus compliqué à faire. Pour avoir un vrai. On peut faire des simili-feux, mais vraiment un beau feu qui fasse bien réel, c'est hyper compliqué à faire, quoi. Même, dis-toi, en imagerie 3D, dans un film, faire du feu, c'est quasiment la chose la plus dure à réaliser. C'est même plus dur que l'eau. C'est la chose la plus dure à réaliser en termes d'imagerie 3D. Donc non, c'est pas du feu en soi, c'est vraiment. En fait, si tu, je sais pas, tu connais peut-être pas beaucoup Senseiya. Senseiya, c'est t'as trois chevaliers de chaque côté qui s'affrontent face à l'un, les uns face aux autres. En fait, comme sur le papier, ils ont tous la même puissance. En fait, ça va faire une grosse attaque qui fait une grosse boule au milieu, là où les énergies se rencontrent, et ça fait une grosse boule en fait, qui est bien centrée par rapport à eux. Parce que sur le papier, eh ben, les trois ont tous la même puissance, donc voilà. D'où l'intérêt de cette boule-là. C'est ça, sinon après on pourrait faire autrement, on pourrait faire la fin de l'attaque où on n'a pas la boule, on a juste un beau trou béant et tout détruit dans tous les sens et tout est tombé au sol, machin, plutôt d'avoir les choses en train de voler. Mais du coup on perd du dynamisme. L'intérêt c'est vraiment de rendre la chose dynamique. Ce que j'ai déjà vu des duos de l'attaque, de l'exclamation après attaque. Vraiment que le trou milieu, tout cassé, machin bidule. Mais on n'a pas. On sent le truc, on sent qu'il a une âme, il a du vécu, on le sent le duo. Mais il n'a pas de dynamisme. Je sais pas si tu piges la différence de ce que je veux dire. Là, je veux vraiment qu'il soit dynamique, je veux vraiment que tu sentes que c'est à ce moment-là que vraiment les gars sont en train d'exploser, les dalles de se barrer, les bribes ne plus tenir sur le mur, enfin voilà. Là, je veux vraiment qu'on ressente ça. Salut mon Pascal, tu vas bien, tranquille? J'avais pas vu ton truc. Pareil, pas. Ça se trouve, Pascal, le temps que je réagisse, ça fait déjà 2 heures qu'il était parti. Mais voilà. Et nous, ça fait 2h38 que nous sommes en live. Et oui, je suis aussi passé cette fois, je n'ai pas lancé de live Facebook. Au final, c'est fatigant, c'est relou à gérer. C'est un chat en plus à gérer. Donc, c'est un truc que je vais réserver vraiment pour les jours où on fera que parler. Et qu'on a du monde, comme les 2 derniers lives où on était à 4-5, où là, ouais, comme on est 4-5, on peut gérer tous les lives, tous les chats ensemble. Mais voilà. Pareil, des choses que vous me demandiez si j'avais un budget limité. C'est simplement le logiciel que j'utilise pour streamer, comme là vous me voyez ce soir. Je paierai l'abonnement. Parce qu'en fait, il y a la version gratuite et la version payante. Et sur la version payante, donc j'en paierai l'abonnement par exemple, ça me permettrait de streamer sur plusieurs plateformes en même temps mais avec le même logiciel, donc sans galérer. Tout serait centralisé au même endroit, tous les commentaires seraient exactement au même endroit, tout le monde aurait la même qualité, il n'y aura plus de problème de Facebook qui lag et qui lag pas, qui machin. Tout serait géré de la même façon, quoi. Sur Insta, Facebook, Twitch, YouTube, machin, je pourrais tout faire en simultané en fait.
Pascal. T'es pas... bah t'as changé de compte, mon Pascal. Tu parles avec deux comptes différents maintenant. Moi, je pense que si c'est une boule d'énergie, je mettrais du blanc au centre avec du ciel bleu. Ouais, mais là, alors je sais pas, c'est pareil, je sais pas si t'as déjà vu Senseiya, mais comment dans Senseiya, t'as tout un truc qui tourne autour de l'univers, du coup, pour ça qu'ils utilisent souvent le mot cosmos. Il y a tout un truc qui tourne autour de ça, et t'as beaucoup de choses qui représentent l'univers, les étoiles, rien que les saints, les chevaliers, normalement ça s'appelle des saints en réalité. Chevaliers, c'est nous qui disons ça, les Européens, on va dire, mais non, ce sont des saints en version originale. Ils sont représentés par des constellations. Il y a toujours ce rapport avec l'espace des constellations. Et souvent des attaques, elles représentent genre un univers, une planète. Donc il faudra vraiment que je ne sais un peu cette sensation de un peu comme tu prends le visuel de loin de la planète Namek et tu lui donnes des teintes violet, bleu nuit. Voilà, c'est ce genre de choses toi qu'il faudrait faire. Peut-être un peu dans les rosés aussi, tu vois. C'est plutôt le genre de teinte que je pense qu'il faudrait lui donner. Après, il faudra que je me mate à un épisode où on la voit pour être sûr de bien reprendre certaines couleurs. Ou voir est-ce que je modifie les couleurs pour bien contraster avec le reste du décor. Parce qu'après, je suis pas obligé de respecter si je veux pas, après tout. Vu comme le décor, là, pour l'instant, je suis dans l'optique de le faire couleur qu'il y aurait dans l'animé, donc une couleur bleu nuit. Mais si ça se trouve, au dernier moment, j'aurais dit, oh, bah fuck, je le fais autrement, tu vois. Ce sera vraiment une question de goût. Mais par contre, ce qu'il faudra, c'est que la lumière que j'ai là contraste avec le reste. Sinon ça va pas faire beau si c'est la même chose. Comme je dis souvent, il nous faut au moins trois teintes de couleurs qu'on aura la structure qui sera donc les dallages, les briques, tout ça d'une teinte. On aura ça qui nous fera une autre teinte. On aura la terre en dessous, donc ça qui aura une autre teinte de couleur, etc. On n'aura pas de touche d'herbe dans celui-là. Ce serait hors sujet. Mais on aura quand même au moins trois teintes de couleurs. Donc c'est pour ça que ça, faut vraiment que ça contraste. J'ai créé un autre compte pour mes projets. D'accord, ok. Ah, bah ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça, mon Pascal. Ah, puis tu me vois là, mon Pascal. Tu me vois ici, mon Pascal. T'as coupé, c'est normal. À cette heure-ci, je réponds plus de rien. Mon cerveau, il est parti en vacances. Donc voilà. Mais blanc, je sais pas. Après, comme tu dis, peut-être que c'est blanc. Après, je revoyais quand même l'anime Jabou qui est sorti. Et je commence à avoir du mal à réfléchir. Mais bon, j'en suis vraiment pas au point de la peindre, là, ça sera quasiment la dernière chose à faire, quoi. Je ferai la mise en place des lumières, tout ça, comment faire les sillons pour faire les lumières, tout ça. Avant de coller les dalles, tout ça. Ça, je l'ai collé, mais ça, je peux faire un trou pour passer en dessous. Je la penserai peut-être bien avant de faire la peinture, histoire de. Mais la peinture en soi de ça serait quasiment la dernière chose à faire. Parce qu'il est fort possible qu'à plusieurs moments, je la mette en place pour voir comment on place telle dalle, machin, bidule. Et je veux pas en abîmer la peinture. Donc la peinture de ça sera vraiment au dernier moment, à mon avis. Tout en rapport avec quelque chose. Oui, Sensei, c'est ça. Des éclairs jaunes et bleus. D'accord, c'est jaune et bleu. D'accord, tu vois, je me rappelais plus, tu vois. Ça fait longtemps. Donc je verrai donc le jaune et bleu. Il faudra que vraiment j'arrive à donner une teinte de jaune et bleu qui contraste bien avec le bleu de ça. Et oui, comme tu dis, Cosmos, de toute façon, c'est beaucoup de rapports. Mine de rien, c'est très intéressant des fois pour apprendre sur la mythologie. On apprend beaucoup sur ce genre de choses. Alors attends, où ça parle sur les chats? Du coup, j'ai pas regardé le chat de ça. Il va à un système LED. Oui, il y a un système LED. Et en USB, donc ce qui fait que, comme de nos jours, tout le monde a un chargeur USB. Ok, youpi, Jory, je vois ton gros projet, j'étais pas sur le bon truc. Ah oui, il est bas. Il fait quelle taille ton bordel, youpi? Est quoi? Bah, d'accord, 90 cm. Qu'est-ce que je vais dire? Donc ouais, alimentation USB, comme tout le monde maintenant, des chargeurs USB pour charger nos téléphones, machin, bah suffit de le brancher dessus en fait. Tout le monde a ça. Ça bouffe pas beaucoup d'énergie. Et surtout le bon point, c'est qu'on n'a pas besoin de transfo. C'est pas comme les trucs électriques vraiment qui se branchent au courant directement avec une prise électrique. Où t'as besoin d'un transfo, machin. Ou c'est pas comme les piles où faut que tu mettes ton bloc de piles. Là, t'as littéralement juste un fil qui sort, c'est tout. On n'a pas de transfo à cacher, rien. Le transfo, c'est juste le chargeur que tu branches au mur. Ton petit chargeur d'iPhone, là, qui est tout petit, qui est grand comme ça, là, bah c'est ça. Ça suffit largement. C'est vraiment. C'est pour ça, c'est vraiment bien. Donc, à la base, c'est fait pour mettre derrière les télés, pour les ambilights, tout ça.
Pour ça suffit, ça marcherait bien. Ça irait bien. Ah, tu te rappelles plus aussi, d'accord, ok. C'est juste parce que tu penses que ces couleurs iraient bien, d'accord. Pareil, j'ai jamais travaillé d'ailleurs grâce à ce type de couleurs, les bleus nus, tout ça. Ça me permet d'apprendre à le faire parce que j'ai jamais travaillé vraiment. Alors forcément, on sera sur du sombre, mais il va falloir que je m'y mette un peu. Oh merde, je remets la couleur. Toc, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? En 90 cm, 70 de haut et 50 de profondeur. Ah oui, d'accord, c'est aussi toi. D'accord. Toc. Donc, ouais, c'est A tout ce que je. priori, pour tes couleurs de. Ouais. Je te coupe pour tes couleurs de la sphère, là, tu te posais des questions. A priori, elle est quand même vachement jaune. Elle est quand même vachement jaune? Ok, d'accord. Bah, ce qui serait pas Il n'y plus a mal, pas parce trop de que. violet. Bah, c'est pas plus mal, ça permet de. Ça. Du coup, elle a pas ce reflet cosmos-univers comme j'ai en tête, alors, du coup. Les attaques sont violettes, mais la boule, elle serait jaune. D'accord, ok. Alors, c'est pas plus mal, parce que ça permettra de contraster avec le reste du duo. Donc, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle, ça, déjà. On pourra jouer sur ce Un peu qui contraste-là. plave. Comment? Qui plave un petit peu. D'accord. Ouais, bah ça c'est bien. Là tu me donnes une bonne nouvelle, ça. Ça me permet vraiment de jouer sur le contraste. C'est con, putain, je sais pas que j'en ai foutu de cette ruban LED. Où est-ce que je l'ai rangé? Il peut pas être loin, hein, parce qu'il est dans mon sous-sol. C'est tombé. Je suis bordélique, les gars, je vous jure, je suis bordélique, c'est un truc de ouf. Mais ouais, donc on fera ça après. Il est possible que demain on s'attaque au placement de la LED. C'est possible, du coup, faut que je la retrouve demain. Il est possible qu'on attaque ça demain, avant le collage de tous les éléments. Je pense que ouais. Elle sera fixe par contre, donc du coup, faut, une fois que c'est mort, ça marche plus. Bien que. Non, je peux faire en sorte qu'elle se défasse. Moi, on va faire en sorte qu'on puisse la retirer là, si on a besoin. On fera en sorte que. On a toujours moyen de se débrouiller. Tac tac tac. C'est où que ça parle? Alors ce bruit là c'est Discord. D'accord, ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. Alors par contre je vois bien les couleurs peuvent être bien que tu me montres, Yopi. Par contre du coup je vois plus plutôt que de partage un peu en sphère qui tourne autour un peu. Un peu la manière comme si tu vois les motifs sur Jupiter, la vraie planète, hein, vraiment les vraies images qu'on a de la vraie planète Jupiter. Un peu en petit motif qui tourne. Toi, je le vois bien, je vois un peu comme ça, tu vois. Est-ce que ça, du coup, ça peut nous donner l'illusion que la boule tourne, que du coup, que c'est si vivant, que ce soit dynamique, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, j'ai l'idée en tête, j'espère que je vous la fais passer, mais c'est l'idée que j'ai en tête. Donc je pense qu'on va essayer de se faire ça. Et vraiment la couleur que tu montes, ça va vraiment contraster. Une couleur nuit, une couleur vraiment lumière. Et du coup, ouais, voilà, exactement. T'es réactif. Un peu dans ce délire-là, tu vois. J'ai un peu ce genre d'image, ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, essayer de refléter ces lumières, l'amplifier. Un peu l'effet de lumière avec des touches à l'aéro de couleurs pour accentuer l'effet de lumière sur les dalles. Donc, mettre des touches de couleur jaune par exemple sur certaines dalles pour donner vraiment l'impression que la lumière tape dessus, quoi. Enfin, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Alors, il faudra vraiment que je l'amplifie comme ça. Parce que la lumière, elle sera ça, là pour qu'on la voie, mais elle sera pas là pour éclairer, comme je dis. Donc, ça sera à moi de la forcer de par la peinture, de la booster par la peinture. Après c'est faisable, j'ai déjà fait sur d'autres choses, donc c'est largement faisable. Qu'on va faire prendre un jaune peut-être un poil plus clair, je pense que ça serait bien. Pour vraiment refléter la lumière. Mais juste un poil ou plus clair, hein, pas énormément plus clair, juste un poil ou. Puis du fait que l'ensemble du diorama soit sombre, du coup ça force forcément ça assombrirait la couleur, donc faut pas qu'elle soit trop foncée non plus. Pour bien la ressortir, sans ressentir la lumière. C'est l'idée, oui, c'est ça, c'est l'idée, exactement. Donc, Gidio est en train d'écrire.
Ouais, c'est ça, entre Jidio, Yupi Joris, encore Sima Joris, oui. Mais en Jidio, parce que du coup, quand je vois Jidio, moi à chaque fois je te confonds avec quelqu'un d'autre en réalité. Je pense à quelqu'un d'autre à chaque fois, un autre du rameur. Qui a un J.I., nom. s'il te plaît. Comment? J.I., pas J. Ah, J.I., d'accord. J.I. Parce que moi à chaque fois ça me fait penser à. Comment il s'appelle? Giovanni Di Fatto. À chaque fois quand je vois G, ça me fait penser à ça. Ça me donne une consonance un peu italienne en fait. Bon, ce qui n'est pas forcément flatteur pour toi, mais voilà. Peut-être un coup de résine de glaçage avec des pigments par-dessus. Sur la boule. Ouais. Faut voir. L'idée. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait pour voir comment le. En jouant sur des effets, ouais, ça peut se tenter, faudrait voir. Faudrait voir. Ça pourrait. On verra bien après comment quand ça avancera, quand on y sera. La situation, alors, résine de glaçage, j'en ai plus, il faudrait que j'en achète. J'ai la résine époxy, mais pas du glaçage. Tu me fais chier, moustique. Ah, bah, je peux pas le claquer sur l'ordinateur. Si je mets une claque sur mon ordinateur, je vais le flinguer. T'as trouvé la bonne planque, le moustique, pour pas que je te tue. Faudrait qu'elle soit bien épaisse pour pas. Ouais. C'est le problème, j'ai déjà essayé de tenter, j'ai déjà travaillé la résine de glaçage sur des reliefs. Et le problème, c'est que c'est comme la résine époxy, résine cristal, ça coule quand même, quoi. Même si elle est plus épaisse, elle coule facilement. Donc, c'est à voir. Sinon, il faudrait la travailler au sol, enfin sur plate, et après l'appliquer dessus une fois sèche. Mais elle serait pas. Je pense qu'elle serait. Faudrait, je sais qu'on peut la travailler, il faut la en faisant chauffer, je sais qu'on peut la rendre un peu malléable. Mais est-ce qu'on arriverait à faire un truc bien? Parce que la résine, ça travaille à la chaleur. Ça peut fondre un peu, etc. Donc on pourrait peut-être éventuellement faire ça. De façon à avoir une couche, on va dire, uniforme. C'est-à-dire qu'on la coule à plat, donc on a forcément une couche uniforme. Et après, la reposer dessus. Ou laisser 20 minutes en pot avant application. Ouais. Ouais, mais est-ce qu'on arrivera à la piquer correctement? Je sais pas, ouais, j'avoue que c'est un coup à tester. Mais c'est à tester hors. Avant de le tester sur autre chose avant de le faire là-dessus. Mais ouais, pourquoi pas. Tu mets des paillettes. Des paillettes. Ah non, des paillettes, ça va faire bizarre. Ça va vraiment faire paillettes pour le coup. Ça sera tout à leur sujet. Le pigment dont ils parlent, c'est pas la même chose, le pigment. Le pigment, ça donne de la couleur. La paillette, ça va donner du brillant. Des paillettes. Et ça va sentir, ça va se voir la paillette en fait, ça va faire paillette, ça va perdre totalement son l'effet qu'on veut en fait, le coup de la paillette. Donc non, la paillette c'est quoi, c'est l'ombre de quoi? Ouais, c'est l'ombre de ça que j'ai là. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va perdre totalement son truc. En tout cas, en résine de glaçage, tes pigments se mélangent pas, et ça, pour ton Jupiter, ça colle. Ouais. Faut voir, faut voir, va falloir voir. Oh, putain de moustique de mon cul, bordel. Tac. Mais gros taf pas évident. Ouais, bon ça, je verrai bien comment on va agencer ça. Est-ce qu'on fera pas? Est-ce que je ferai sur celui-là ou sur autre chose? Il faudra que je teste avant. Je verrai bien. Sur le moment, parce que c'est un truc qui viendra bien plus tard, parce que dans les médias, de toute façon, il y a tout le reste de structure à faire. Et que ça, c'est littéralement c'est la dernière chose à faire, de toute façon, la boule. Oh putain! Oh, là là là. Bon, moi je suis claqué, les enfants, je crois qu'on va mettre fin à tout ça. Parce que à cette heure-ci, il commence à être fatigué, mine de rien. J'ai les yeux qui tournent, enfin qui tournent, qui piquent, je veux dire. Et je baille, beaucoup ça se voit. Donc, bah youpi, merci d'avoir participé vocalement. C'est gentil, c'est cool, ça fait plaisir. Eh Et. ben, pas de souci, je reviendrai, t'inquiète. Ah, c'est bien, en plus, ce qui est bien, c'est contrairement à YouTube, c'est immédiat. Ouais, il n'y a pas de temps de latence. Hein. Ouais, c'est clair, ça c'est bien pratique ça. Et C'est pour ça, puis. moi, j'ai coupé, j'ai ton YouTube d'un côté, Discord de l'autre, et j'ai coupé le son YouTube. Ah, bah ouais, fatalement, sinon ça fait un écho ou un sacré décalage, ouais. Donc ouais. Attends. Kevin, tu mets des. Ah, pas dans ma vie, oh merde.
Oh merde! Oh la vache, Kevin, tu mets des paillettes dans ma vie. Oh la vache, tu as été les chercher celle-là, ouais. Enfin bon. Bon bah bonne soirée tout le monde et puis tout encore merci à tout le monde de m'avoir suivi. Bon je vais me coucher bonne nuit, à Ashram. Et bonne soirée tout le monde encore, bonne soirée et rebonne soirée. Et puis bah à demain pour le prochain live, tout simplement. Donc pour l'instant je mets la F1 Salut. au live YouTube et je couperai Discord après. Bon attends, déjà je coupe YouTube, attention le côté du curseur. YouTube il est là.